Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'appelle Valérie Bureté, je suis enseignante-chercheure de biochimie et de biologie moléculaire à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et je vous accueille ce soir en tant que vice-présidente en charge de la recherche et des relations internationales de l'UNC, car la présidente n'a pas pu se rendre disponible. C'est toujours notre plaisir d'ouvrir nos murs et nos portes pour des événements culturels et scientifiques. Donc ce soir plutôt scientifique, même si on va parler de culture à la nature, il me semble, ce soir, et des conséquences que cette acculturation à la nature peut avoir sur l'amélioration de la conservation de la biodiversité dans son ensemble, et Dieu sait si en Nouvelle-Calédonie nous en avons besoin. Donc je ne vais pas être plus longue, je suis ravie de voir autant de monde dans nos murs pour un si beau sujet, et je vous souhaite une belle projection et de très bons débats. Merci. Merci Valérie. Alors bonsoir et bienvenue donc à ce ciné-débat. C'est le cinquième de la saison. Il en restera encore deux après, d'ici la fin de l'année. Les ciné-débats empreintes sont organisés en partenariat avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie, le Cressica, Blue Green Production, Calédonia et le WWF. Je vous rappelle que la soirée est filmée dans son intégralité et sera diffusée sur Calédonia le samedi 10 septembre à 10h et à 14h, puis disponible en replay sur la chaîne YouTube donc de Calédonia. J'aimerais juste faire un petit rappel parce que c'est important quand même. Je voudrais rappeler que l'émission Empreinte, elle existe grâce à la chaîne Calédonia qui est notre coproducteur et notre diffuseur. Grâce au Fonds de soutien à l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie, qui finance une partie de notre programme, et grâce aux trois provinces et à l'ADEME, donc, qui sont partenaires de l'émission Empreinte. Donc un grand merci à ces partenaires sans lesquels nous n'existerions pas. Donc notre thème de ce soir, la culture naturaliste, comment la développer, pourquoi et pour qui ? Eh bien, c'est de ce sujet-là que nous allons débattre après la projection de l'émission Empreinte. Alors, à quoi ça sert finalement d'avoir cette culture naturaliste, Valérie ? Voilà, apprendre à nommer une plante, un animal ou même un champignon. Eh bien, finalement, c'est une garantie à la fois pour la conservation du patrimoine naturel, mais pas seulement. C'est aussi une garantie pour l'épanouissement des individus. Vous l'avez tous vécu, hein, le sentiment qu'on peut avoir quand on est dans une forêt, qu'on voit un cagou, qu'on entend un oiseau chanter, ou encore quand on est dans l'eau, qu'on aperçoit des serpents clairs, ou des tortues, ou n'importe quel autre petit poisson. En général, ça ne met pas de mauvaise humeur. Hein, ça, on se sent plutôt bien après. Donc voilà, conservation du patrimoine naturel, épanouissement des individus, parce qu'on fait partie intégrante de cet environnement. Je ne serai pas plus longue, je vous propose de regarder l'émission et puis après je vous présenterai nos invités, dont certains sont venus de loin pour être avec nous ce soir. Rendre les individus sensibles et réceptifs à la nature pour leur donner envie de la protéger est essentiel. Grâce aux sorties naturalistes, nous pouvons découvrir l'incroyable richesse du vivant. Rendez-vous dans la forêt du Grand Sud à la découverte d'un règne particulier, celui des champignons. Alors, j'ai l'appareil photo, le GPS pour prendre le point si on trouve quelque chose d'intéressant, papier crayon pour bien tout noter, l'autorisation de la province sud pour faire la récolte,
une loupe pour bien regarder, le couteau pour bien ramasser. Tiens, Elisabeth, la tablette pour regarder. Après, avec la caméra endoscopique, on verra des petits plans bien serrés en grossissement des champignons. Ah, ok, super. Voilà. Pour les prélèvements, le papier alu et les boîtes. Donc, on va faire une récolte alors. On va partir faire une récolte si on a la chance de trouver quelques champignons. D'accord. Donc là, maintenant, tout le monde est prêt. On peut y aller. Eh bien, allez, c'est parti. Donc là, on va rentrer dans le sous-bois et on va se mettre en mode champignon. C'est quoi le mode champignon ? Alors, le mode champignon, c'est qu'il faut adapter notre cerveau et notre vue à la luminosité qu'il y a dans le sous-bois. Et d'accord. Donc, ça prend généralement 10 minutes, un quart d'heure, le temps que l'on s'habitue. Et au bout de ce laps de temps-là, d'un seul coup, on va se mettre à voir des champignons. C'est comme ça, c'est magique, entre guillemets. Donc, on passe en mode champignon. Et un dernier détail, les champignons, tout le monde le pense que c'est sur le sol, mm-hmm. mais attention, on en trouve aussi sur les bois. Ah bon ? Sur les troncs. Oui, et je vais t'en montrer un sur un tronc. D'accord. Pas besoin de se baisser. Donc là, tu vois, Elisabeth, contrairement à ce qu'on peut s'attendre, il pousse sur le tronc à 1 mètre du sol. Avance-toi un peu, tu vas le voir. D'accord. On a failli marcher sur mon orchidée. Ah oui, il faut aussi faire attention aux orchidées qui sont au sol. Hein. On a un spécialiste avec nous. Donc ça, c'est un champignon qui c'est pousse. C'est un ganoderme. On peut le toucher ? Oui, tu peux il le toucher. Il n'est pas toxique ? Non, il n'est pas toxique au toucher. Ouais. Et tu vas voir comme il pousse sur l'arbre, il se nourrit de l'arbre et il va être dur comme le tronc. Donc ah oui, peux... il est très très dur. Voilà. Cet arbre-là, on voit que le tronc, il a subi, il a des pertes d'écorce, il a été attaqué. Et donc c'est un arbre qui est affaibli. Et il va profiter du fait que l'arbre soit affaibli pour venir s'installer dessus et il va se développer en pompant et en se nourrissant en fin de compte de la cellulose de l'arbre. Et petit à petit, il va le creuser de l'intérieur et l'arbre va dépérir. D'accord. Mais il s'attaque à un arbre qui est déjà malade. Ah tiens, Elisabeth. Moi, je vois rien pour l'instant. Tu vois rien, c'est normal. T'as pas encore rentré en mode champignon. C'est ça. Par contre, moi, ça y est, j'y suis. Tu vois pas une petite tache orange là-dedans ? Effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est comme champignon ? Alors, à première vue, ça serait une russule. Il y a des russules en Nouvelle-Calédonie. Les russules, ce sont des champignons qui décomposent et qui sont aussi en symbiose avec les arbres qu'il y a autour. Il y a deux grands schématiquement groupes dans les champignons. Il y a les champignons qui vivent en symbiose en faisant des mycorhizes au niveau des racines, c'est-à-dire des associations où les filaments des champignons vont venir se fixer sur la racine et il va y avoir des échanges entre l'arbre et le champignon. Et il y a d'autres champignons qui, eux, vont dégrader le bois, donc c'est de la cellulose, pour en récupérer le sucre et se développer. D'accord. Alors, tu parles des mycorhizes. Les mycorhizes, en général, elles sont sous la terre, on ne les voit pas. Non. Pourquoi est-ce que, parfois, on a des champignons qui sont visibles à la surface ? Mais parce que c'est toute la face cachée de la vie du champignon. En fin de compte, ça représente même pas 2% de la vie d'un champignon. Ça pourrait être l'équivalent du fruit du champignon. Les champignons dans le sol sont uniquement sous forme de filaments qui sont entre 10 à 20 fois plus fins que tes cheveux. Ouais, donc c'est vraiment un monde invisible. C'est un monde invisible qui tapisse toute la surface de la terre. Et pour te donner une idée, regarde, quand je prends ce petit bout de terre avec mon couteau, ouais. Tu peux avoir jusqu'à 2 km de filaments mycéliens sur ce volume-là. Juste, c'est incroyable. C'est tellement fin que tu le vois pas. Même avec une loupe, tu la verras pas. Il faut prendre vraiment un microscope pour aller voir ce qu'il y a dessous. Donc, la vie du champignon, c'est dans le sol, sous forme de filaments très très fins. Et à un moment donné, quand les conditions climatiques sont bonnes, le champignon va se dire, tiens, là c'est le moment propice pour que je me reproduise. Donc, je vais faire des fruits. Donc, je sors de terre en fait. Voilà. J'utilise souvent l'image du manguier par exemple. C'est comme si l'arbre, le manguier, était dans le sol en permanence et puis de temps en temps, on voit une mangue qui sort. C'est exactement la même chose. Philippe ? Oui, Christian ? Oui ? Une petite forêt de colchicha. Oh, mais c'est magnifique, il y a tous les stades, toutes les grandeurs. Ah, c'est des vieux, des jeunes, des courts, des longs. Il n'est pas facile à voir parce qu'il a la même couleur que les feuilles mortes. Ouais. Mais il pousse sur un petit tapis de mousse. Ouais. Devant la terre, celui-là. D'accord. Coltrichia. Voilà, Coltrichia. Oui. Tiens, mais regarde, Elisabeth. Ça, c'est un champignon qui est endémique. C'est un laquaire. Et il a la particularité d'être le seul au monde à avoir ce qui s'appelle un ombilique. C'est-à-dire qu'ici, tu vois un tout petit opercule en plein milieu du chapeau. Et cette espèce-là, c'est la seule espèce au monde à avoir cette particularité. Et on sait pourquoi ? Aucune idée. Bon. D'accord. Et donc pour le moment, il est en description et son nom officiel arrivera d'ici quelques années. Philippe ?
Philippe, je trouvais quelque chose. Oui, Anne-Marie, qu'est-ce qui se passe? Viens voir, je crois que j'ai trouvé une girole ou quelque chose comme ça. Ah, des girolles? Ah bah, on parle des champignons comestibles. Parce que... Oui. Les chanterelles font partie des champignons comestibles que l'on peut rencontrer en Nouvelle-Calédonie. Donc là, tu en as de très beaux exemples. Les petits champignons orange là. Voilà. Mais et là, cette chanterelle-là, elle s'appelle Cantharellus garnieri et elle est endémique à la Nouvelle-Calédonie. Tu ne trouveras ce champignon qu'en Nouvelle-Calédonie. Pour le moment, on a vu des champignons avec des pores, on a vu des champignons avec des lamelles, et là, ce ne sont pas des lamelles, ce sont des plis. C'est juste le revêtement du champignon en dessous qui fait des plis. Ça ressemble quand même bien aux lamelles. Mais quand on regarde avec un microscope, on voit bien que ça fait plus des plis que des lamelles. Comme tu as pu le voir, quand on cherche des champignons, on travaille un petit peu tous nos organes. On travaille la vue, on travaille le toucher, on travaille l'odorat, parce que théoriquement, là, ça devrait sentir, tu devrais y arriver à sentir une odeur. J'espère. Ah oui, c'est vraiment très subtil, mais ça sent quelque chose. Ouais. Et alors, il y a encore un autre organe que l'on n'a pas essayé. Je te vois venir. Je vois les yeux de gourmande, le goût. Ah, j'adore les champignons. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un tout petit bout. Ouais, ok. Le plus dur, c'est qu'il ne faut pas avaler. Ah, faut pas avaler. Faut pas avaler. Tu le mâches doucement, et puis lentement, tu vas avoir... Un parfum qui va se dégager. C'est très doux. Il y a un petit goût. Et ça a le goût de chanterelle, en fin de compte. On a en cru, on sent ce parfum légèrement... Mais moins fort, quand même. Ah oui, moins fort que ce qu'on connaît habituellement pour une girole. Voilà. J'ai avalé. La girole d'ici, elle... Donc là, c'est pas un problème. Je t'ai laissé faire ça tranquillement. Ouais. Tu peux. Mais théoriquement, il est interdit d'avaler cru tout petit morceau de champignon. Pour quelle raison? Bah, c'est-à-dire qu'il y a des champignons comme les cortinaires, les amanites, qui ont une toxine dedans. Mmh. Et juste le petit bout que tu as peut te provoquer des gros dégâts, voire t'envoyer dans un autre monde. Oui, donc il faut être vraiment très prudent. Hein. Quand on s'aventure dans les forêts en Calédonie, on ne récolte pas les champignons, on ne les goûte pas, parce qu'il peut y avoir un danger. Ah, il y a un danger énorme de mortalité. Ouais. Alors Philippe, tout à l'heure, on a parlé de la symbiose entre le champignon et l'arbre. Donc le champignon contribue à la croissance des arbres. Mmh. L'arbre contribue à la nourriture champignon. Mais est-ce que ces champignons ont un autre rôle dans la forêt? Tout à fait. Les champignons, ils vont jouer un rôle d'intermédiaire. Quand on voit ce bel arbre qui est pluricentenaire, en fin de compte, au niveau de ses racines, le mycélium va transmettre des informations aux arbres environnants. Ouais. Il a été prouvé que quand un arbre comme ça est sujet à certaines maladies, il va transmettre l'information aux autres arbres qui vont commencer à se défendre par rapport à une maladie qu'ils n'ont pas encore, mais que son voisin a déjà. Et donc il y a tout un réseau, on appelle ça un peu l'internet du sous-sol. D'accord. Et c'est le réseau du mycélium, des filaments tout fins des champignons, qui permet ça de transporter l'information d'un arbre à un autre. Ils sont donc essentiels à la bonne santé des forêts. Alors là, je te propose de retourner au Faré et on va regarder un petit peu de plus près, grâce à une petite caméra secrète, les champignons pour voir un peu les dessous et les secrets des champignons. D'accord. C'est parti ? C'est parti. Voilà le travail que l'on fait après au microscope en étude, une fois qu'on rentre à la maison. Pour essayer de différencier les espèces et ou faire des descriptifs profonds des espèces. Et donc là, tiens, je vais te montrer les filaments mycéliens. Tu sais, je t'avais expliqué que c'était 20 fois plus fin qu'un cheveu. Et en fin de compte, c'est l'état naturel du champignon dans le sol. Ah oui. Là, tu vois bien, tous les petits fils. Et donc ça, c'est le mycélium du champignon. D'accord. Et donc ça, c'est ce qui tapisse le réseau le sous-sol. Et tu peux en avoir 2 km sur la pointe du couteau. Alors là, on a sous les yeux le fruit de notre récolte de ce matin. Tout à fait. Alors on peut voir qu'on a des champignons en forme de chapeau, de ceux qu'on connaît traditionnellement, mais on en a aussi en forme allongée, ou encore en forme d'éventail, comme cet énorme champignon. Hop. Et puis on a plein de couleurs différentes aussi. Donc on a l'orange, le jaune, le rouge, rouge foncé, rouge bordeaux, ce rouge vif, magnifique,
ou encore ce champignon vert qui a même une substance gluante. Alors ça, je ne savais même pas que ça existait. Hein. Ben, ça fait partie des mystères. Il y en a qui sécrètent du mucus. Mais est-ce qu'il existe un support auquel se référer justement pour les identifier ? Tout beau. On a sorti un petit guide de naturalistes des 168 espèces communes de Nouvelle-Calédonie. Et au nom de l'association, je suis fier de te l'offrir. Donc maintenant que tu as été beaucoup. Un peu formé à la recherche, que tu sais ce que c'est que passer en mode champignon, tu vas pouvoir passer à l'application de les reconnaître sur le terrain. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à essayer de partir à la chasse au trésor avec une petite carte. Ah bah, je te remercie beaucoup, Philippe. Voilà. C'est formidable. Facilement accessibles à marée basse, les platiers sont un formidable lieu d'apprentissage du monde marin. Ici, aux abords de la ville, petits et grands sont guidés dans la découverte des organismes qui y vivent. Avec les connaissances acquises, il est alors plus facile de comprendre cet environnement et ses enjeux de conservation. Aujourd'hui, on est réunis pour découvrir le platier Ricaudi, une zone donc, dans Nouméa qui va découvrir à marée basse et où on a plein de milieux qui cohabitent, herbiers, enrochements, levées détritiques, donc ce qui fait qu'il y a une biodiversité incroyable. Et notre rôle, nous, en tant qu'association, le CIE, comme tu le sais, Elisabeth, notre slogan, on ne peut protéger que ce que l'on connaît. Donc l'idée, c'est de faire découvrir à la population la biodiversité marine pour qu'ils apprennent à la connaître, à la reconnaître et puis après qu'ils puissent à leur tour partager avec leur entourage, transmettre de manière à ce que ces milieux soient les plus préservés possible. On y va ? On y va. Allez, c'est parti. Carole, Elisabeth, venez regarder, il y a des petites crevettes transparentes ici. Il y en a au moins une dizaine. Tu les vois où ? Voilà. Juste là. Ah oui, en effet. Ah bah, crevettes transparentes, c'est quand même pas facile à voir parce que du coup, comme elles sont transparentes, elles prennent la couleur du milieu sur lequel elles sont. Ouais. Et elles sont couleur sable. Ah bah là, elles sont bien mimétiques, ça c'est sûr. Ouais, c'est une des photographies. Toutes petites. Elles sont minuscules de chez minuscules, effectivement. Venez, ici aussi, il y a une ophiure à observer. Ah. Alors, les ophiures, ce sont des proches parentes de l'étoile de mer, c'est ça ? Oui, c'est ça, Elisabeth. Et si tu veux l'attraper, tu peux. Alors, passes ta main en dessous, parce qu'elle risquerait de casser un de ses bras, puisque c'est un animal assez fragile. Oui, donc c'est vraiment avec délicatesse qu'il faut l'attraper. Il faut mettre un petit peu d'eau dans le bac. Hein. Ça serait mieux qu'on puisse bien l'observer. Hop, c'est extrêmement délicat comme petit organisme. À côté, on a une étoile de mer. Eh ben, c'est parfait. On va pouvoir donc observer la comparaison des deux cousines. Alors déjà, c'est vrai qu'on observe qu'ils n'ont pas du tout les mêmes bras, ces deux organismes. Oui, à la différence de notre étoile de mer, les bras de l'ophiure ne sont pas collés. Ouais. Donc ils ont un espace à chaque fois raccordé à un cercle au centre, tandis que notre étoile de mer, les bras sont collés les uns aux autres. Et elle ne se déplace pas de la même façon. Non. On voit que ses bras sont très mobiles à l'ophiure et ce n'est pas le cas de l'étoile de mer. Non, parce qu'en dessous de notre étoile de mer, nous avons des petites ventouses. Donc, si tu retournes, on va y aller tout délicatement. Voilà. Effectivement, on les voit sortir. Petit piston qui vont se remplir et des petites ventouses au bout. Ah oui, on voit ça gigote dans tous les sens. Donc elle est remplie d'eau pour se propulser sous l'eau. Voilà, pour coller. Elle va après, en remplissant, déremplissant, ça va les allonger, les raccourcir et donc de proche en proche, elle va avancer donc vraiment tout doucement. Alors que l'ophiure n'a pas ça, en tout cas beaucoup moins développée, et elle va avoir des petits pics. Voilà, sur les bras, on voit qu'il y a des pics. Ouais. Et en tout cas des bras articulés que l'étoile de mer n'a pas. Ouais. Voilà. On la remet à l'eau ? Allez. Ouais. Allez, nous on a des limes. Et moi, un lièvre de mer. On arrive. Gébrane, tu sais ce que c'est, toi, le lièvre de mer ? Oui, c'est un mollusque, un peu comme une limace, qui se déplace. Et. Là, c'est un pisse-vinaigre. Il a un orifice qui lâche un liquide quand il est stressé ou qu'il a peur. C'est pour ça qu'on l'appelle pisse-vinaigre. Ouais. C'est facile à retenir. Et pas
si on l'embête pas trop. Ah, et il est quand même imposant. Voilà. Tu vois. Donc, voilà. Ah oui, ça y est, il a lâché son vinaigre. Alors là, il a juste éjecté un peu d'eau. Son vinaigre est plutôt de couleur violet. Ah, violet-vert. Oui, ouais. D'accord. Et sur les animaux, ça a des... C'est important, hein. Limace. Et donc, quel est son rôle sur un platier à cette... Ah, regarde, elle bouge derrière. Alors, déjà, la limace de mer, comme elle est herbivore, elle va brouter. Donc, c'est une brouteuse, une limace brouteuse. Alors, elle est sur l'aquaguide ? Oui, elle est ici. Sur la... Ok. Au niveau pisse-vinaigre. Donc, on a les infos... Là. Ah, ok. Ouais. Voilà. Donc là, on l'a trouvée, elle est plutôt de couleur marron. Ouais. Marion me disait que l'on avait vu de couleur saumon. Ouais, et ça. Des fois, j'en trouve de couleur verte. D'accord. Donc, elle se déplace très lentement. Et toi, Gibran, tu connais bien le milieu marin ? Tu fais souvent des sorties comme ça ? Oui, assez souvent. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces sorties naturalistes ? Bah, c'est m'enrichir, apprendre des choses. Et ce que j'aime bien, c'est les partager aussi avec mes amis ou ma famille. Alors, oui, sur le petit, il y a plein d'animaux intéressants, mais là, j'aimerais trouver un oursin dollar. Ah, qu'est-ce que c'est l'oursin dollar ? C'est un organisme, comme une galette toute plate, et qui aime bien se cacher dans le sable, s'enterrer, parce qu'il mange dedans. Et il fait partie de la famille des oursins parce que ses pics sont pas visibles, mais c'est avec ça qu'il pique. C'est ce qu'il mange dans le sable. Ah, le voilà bien caché. On l'a ramassé. C'est vraiment l'œil. Hein. Exactement. Comme je te disais, tu vois, il y a une forme d'étoile de mer finalement. Et les gens pensent que c'est un squelette d'étoile de mer fossilisé ou quoi. Qu'ils le ramassent, ils le prennent. Ouais. Et après, des fois, il est blanc ou quoi. Et les gens le cassent pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir si c'est ça. Et en fait, il le tue, quoi. C'est ça, il le tue, finalement. En plus, il est beau. Attends, il est magnifique. Le rincer pour enlever tous ces petits grains de sable. Oh, il est magnifique. Il y a une fleur dessus. C'est ça. L'oursin dollar. Ouais, il est très beau. Allez, on va le remettre tranquillement dans là où l'eau. Il était. On continue. Elisabeth, Gibran, venez voir. Là, il y a une anémone avec des super crevettes queue de paon. Donc tu vois, il y a une petite anémone avec les deux crevettes queue de paon. Donc il y a le mâle et la femelle qui vivent ensemble au niveau de l'anémone. Bah Eva, toi, tu es enseignante, alors tu fais des sorties avec tes élèves sur ce platier. Tout à fait, dans le cadre de la 2E. On a une A2E au collège Mariotti, donc on emmène les élèves régulièrement faire des sorties sur le platier Ricodi. A2E, c'est aire éducative environnementale. C'est ça, c'est un dispositif de la province sud. Et donc le but, c'est d'essayer évidemment de ne pas transmettre non plus nos bactéries, nos microbes qu'on pourrait transmettre à ces animaux, donc en évitant de les toucher voilà, avec l'épuisette. La crevette queue de paon, elle porte bien son nom, hein, parce qu'elles ont des petites taches oranges sur leur queue. Elles sont magnifiques avec leur carapace transparente. Donc le mâle est plus gros que la femelle et c'est lui qui va porter les œufs aussi. D'accord, donc comme les hippocampes. Oui, voilà, c'est ça. Alors après, je vais les guider. Voilà. Dans leur petite anémone. Allez, hop, elle va retourner. Alors il y a plusieurs choses que j'ai trouvées, regardez. La lime, ah oui. Un petit bivalve, donc un bivalve, une coquille en deux parties, avec des tentacules assez longs. Elle aspire l'eau, elle va la rejeter, ce qui lui permet de se déplacer par propulsion. Alors ça, c'est quoi comme oursin ? Alors ça, c'est l'oursin smoking, qui peut avoir, voilà, on le voit parce que ça fait comme s'il avait son feston bien habillé, un petit peu velours, classe quoi. Et là, on a. Et donc là, tu as une synapte, donc une bêche de mer. Mais en miniature. Hein. Mais en miniature, voilà. Mais qui est sa taille adulte. D'accord. Et par contre, on voit bien ses doigts buccaux, donc les tentacules qu'elle a au niveau de la bouche, qui lui permettent, si on regarde bien, de coller le sable et d'amener et de lécher. Elle récupère le sable, elle va digérer toutes les matières organiques. Et elle va libérer du sable bien propre derrière, des petites perles de sable, tout propre. Donc un rôle essentiel sur les fonds marins, parce qu'elle va nettoyer, limiter l'embasement de nos plages, de nos baies, etc. Tout ce cortège d'espèces qu'on a vu depuis ce matin participe à la bonne santé donc des récifs coralliens et des platiers, comme on a ici. Donc on a toutes les espèces, on a les filtreurs, on a les nettoyeurs comme les petites crevettes à queue de paon qu'on a vues tout à l'heure et toutes les espèces de bêches de mer. Ça fait vraiment beaucoup de vie absolument essentielle
sur ce platier. C'est voilà, essentiel. C'est pas fini, il y a une petite porcelaine juste là-dessous. Ah, ben allez, on va, tu veux qu'on on va voir la porcelaine. Apprendre à reconnaître et à nommer les éléments de la nature contribue à la conservation du patrimoine naturel, mais également à l'épanouissement des individus. L'éducation à l'environnement a donc un rôle clé à jouer dans le développement de notre société. Pour toi, Hubert, qui est un naturaliste passionné, que veut dire être naturaliste ? Être naturaliste, c'est être ouvert sur le monde du vivant, le monde de la vie sauvage. Être naturaliste, c'est être en questionnement permanent et faire un va-et-vient entre l'observation et la documentation. Oui, donc il faut être très curieux. Ah ben, c'est la base. Il faut pouvoir distinguer les éléments du vivant, savoir si une espèce est présente ou absente. Et sans culture naturaliste, on ne comprend pas que la nature nous parle et ce qu'elle nous dit. On peut être dans une forêt et juste savoir qu'on est dans une forêt. Alors que si on a une culture naturaliste, eh bien on peut distinguer les différentes espèces qui nous entourent, savoir si c'est une vieille ou une jeune forêt, si elle est en bonne ou en mauvaise santé. Et comprendre la nature, c'est pouvoir prendre soin d'elle. Alors, au-delà de la connaissance, il y a une chose qui est très importante, c'est l'émerveillement. Exactement. L'émerveillement, s'émerveiller du vivant, c'est lui porter attention, l'aimer et donc le respecter. Et Dieu sait qu'on a la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir une nature très accessible, très proche de nous, même en ville, comme c'est le cas ici à Dimbéa-sur-Mer, où on est dans une très très belle mangrove, dans une zone urbaine. À l'heure où on tire la sonnette d'alarme sur l'effondrement planétaire de la biodiversité, comment évolue cette culture naturaliste ? Globalement, on assiste au développement d'une culture naturaliste mondialisée avec le développement de la télévision et des émissions en nature. Aujourd'hui, la majorité des personnes sur la planète savent reconnaître un éléphant, une girafe, un lion, une baleine ou encore un panda. Mais par contre, très peu de personnes savent reconnaître l'oiseau qui chante devant sa maison tous les jours. Et pourquoi avons-nous perdu cette connaissance de la nature proche ? Pour différentes raisons. Tout d'abord parce que la population de notre planète devient de plus en plus urbaine et donc on a un lien qui se distend avec la nature. Deuxièmement, parce qu'on est dans un monde de plus en plus lié aux écrans, dans un monde virtuel, et donc qui nous coupe sensoriellement de l'environnement dans lequel on vit, mais dont on se déconnecte avec nos écrans devant les yeux. Ouais. Et puis enfin, on est dans un monde qui s'accélère de plus en plus. Les déplacements sont de plus en plus rapides, l'information, la communication est de plus en plus rapide. Or, observer la nature, ça demande du temps. Ça demande de ralentir la montre. Il faut donc se déconnecter du monde technologique pour se connecter à la nature, mais comment inciter la population à le faire ? Il y a plusieurs manières de le faire. Tout d'abord, offrir des lieux de découverte de la nature dans chaque ville et village. Deuxièmement, réinviter la nature dans ses lieux de vie, son domicile, l'école, l'entreprise. L'école est un lieu extrêmement important, central en termes d'apprentissage et de découverte du monde. Et on peut faire des choses très simples à l'école, par exemple, planter des arbres qui vont permettre aux papillons et aux oiseaux de venir dans notre école. Par exemple, on a également en Calédonie la chance d'avoir une culture kanak extrêmement riche et liée à la nature. Par exemple, dans certaines tribus, on va te dire que c'est le moment d'aller pêcher le mulet parce que le gaillac est en fleur. Ou dans d'autres, la culture de l'igname va être basée sur l'observation des baleines. On a un calendrier offert par la nature à ciel ouvert. Alors, il existe aussi des outils pour permettre aux gens de reconnaître ces éléments de la nature, notamment tous les guides naturalistes qu'on trouve en Calédonie. Et on est riche en guides naturalistes. Tu peux le voir aussi bien le milieu marin que le milieu terrestre. Les spécialistes de chaque domaine ont mis à disposition leurs connaissances sous des formes vulgarisées. Absolument. Et puis tu as également des outils numériques, hein, qu'il faut quand même nommer, là, qui sont utiles pour apprendre. On va rester un tout petit peu connecté. Voilà, le site d'Endemia, incontournable bibliothèque de la nature calédonienne. Ou encore la page Facebook Naturaliste Nouvelle-Calédonie, super lieu d'échange convivial pour apprendre simplement. Et puis également, ne pas oublier des lieux assez exceptionnels que sont les aires
éducative environnementale. Oui, mais justement, nous nous trouvons ici dans une aire éducative environnementale, celle de Dimbéa-sur-Mer. Et donc, je te propose qu'on aille rejoindre Fabienne Bourdeau du Centre d'initiation à l'environnement. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour Fabienne. Une aire éducative environnementale, c'est un projet qui est porté par un établissement scolaire, accompagné par la province sud et par le CIE pour la partie éducation à l'environnement. Mais quel est l'objectif ? Alors l'objectif, c'est d'impliquer les jeunes dans la restauration et la préservation des milieux afin de mieux les connaître et de comprendre les enjeux de préservation. Mais pour ça, eh bien, il faut d'abord que le jeune retisse du lien à la nature. Alors, première chose, puisque vous êtes là, profitons à retisser ce lien à cette nature. Vous êtes prêts ? Oh ben oui. Ben, tout d'abord, il faut respirer en pleine conscience. Donc, on va le faire ensemble, faire rentrer de l'air. On sent son corps vivre, on est en contact. On a tissé ce lien. On sent l'air sur sa peau aussi. C'est sentir ces émotions là sur notre peau, les poils qui s'hérissent, les frissons sur la peau. Je suis vraiment dans cette nature, je ne suis pas à côté, je suis vraiment dedans. À partir de là, ben, on va développer les sens, c'est important tout ce côté émotionnel. On a notre côté très intellect, mais on oublie toujours le cerveau émotionnel. Donc ben, ça va être de développer par exemple, d'aller à la rencontre d'un palétuvier et de le regarder différemment. Donc déjà, si vous voulez bien vous approcher, eh bien, les palétuviers ont des feuillages particuliers. Donc là, ça va être effectivement ben, de toucher. Je vous invite vraiment à le toucher, à voir l'épaisseur, avoir ces feuilles qui ondulent, comme on peut le voir, le fait qu'elles soient terminées par un petit stylet. Donc tout ça, ça nous amène à mieux observer et surtout à mémoriser. Surtout que souvent, les noms scientifiques sont compliqués. Il n'y a pas toujours les noms communs. Donc bien, apprendre à toucher, sentir, nous permet bien de mieux apprendre les choses. Et puis il y a autre chose, c'est aussi fermer nos yeux. Et puis développer cette capacité à écouter la nature. Beaucoup d'oiseaux. Hein. Donc il y a les sons, je dis souvent, et puis il y a les bruits qui parasitent un petit peu. Pourquoi ? Parce que cette nature aujourd'hui, elle est dans l'espace urbain aussi. Donc on a les sons naturels, et puis on a nos bruits de l'urbanisation, les voitures, les camions, etc. Et puis il y a aussi porter un autre regard, ouvrir les yeux. Sentir nous permet de mieux comprendre cet environnement, nous donner voilà, des clés de lecture du fonctionnement de notre nature. Alors, il existe aujourd'hui en province sud à peu près une trentaine d'aires éducatives environnementales. Qu'en est-il du reste du territoire ? Grâce au soutien de l'Office français de la biodiversité, la province nord et la province des îles vont étendre le réseau d'aires éducatives environnementales sur tout le territoire. D'accord, donc toute la Nouvelle-Calédonie va disposer de ces espaces si importants finalement pour nos jeunes. Voilà, des jeunes qui vont devenir des acteurs à part entière du territoire dans l'action et la transmission. Et pour tous les autres, eh bien, c'est très simple de tisser ou de retisser ce lien à la nature en participant par exemple à des sorties naturalistes. Alors on l'a vu dans l'émission, hein, c'est facile de faire des sorties avec par exemple la Société mycologique de Nouvelle-Calédonie pour aller à la découverte des champignons ou encore avec le CIE pour aller sur le platier Ricaudi, mais il en existe plein d'autres également. Oui, au Parc des Grandes Fougères par exemple, il y a une palette de sorties naturalistes à thème où on peut par exemple aller écouter, observer les oiseaux avec Isabelle Joly. Ou encore découvrir les orchidées avec Christian et Lidvine Laudreau. Oui, ou encore faire de l'herpétologie, c'est-à-dire découvrir les geckos et les arts avec Mathias Deuss. Et puis bien sûr, ne pas oublier les sorties botaniques de Bernard Suprin. Ah bah oui. Merci à vous deux. Merci. Merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour nous, pour l'équipe d'Empreintes, ça a été une très, très belle découverte. Et pourtant, on connaît quand même assez bien l'environnement en Calédonie. Mais je dois avouer que les champignons, je ne connaissais pas du tout le mode champignon. Et bien maintenant, quand je vais dans la forêt, je ne vois plus que ça. Et puis même sur le platier Ricaudi, voilà, on a découvert plein de choses. Alors là, on a un petit... voilà, il ne faut rien mettre pour l'instant.
Voilà, super, merci. Donc, merci à ceux qui nous ont fait découvrir ces deux environnements vraiment très, très riches. Donc, je vais inviter nos intervenants à me rejoindre. Donc, Hubert Géraud, notre partenaire, donc expert conservation et plaidoyer du WWF. Denis Méandou-Pauveux, donc, qui est guide naturaliste de la tribu de Guapin, qui nous a fait l'honneur de descendre de Guapin à Poya, spécialement pour ce ciné-débat, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas pu aborder dans l'émission. C'est extrêmement important à la fois de connaître la nature, mais de connaître aussi les histoires culturelles qui sont liées à chaque élément de cette nature. Merci Denis d'avoir fait la route. Et je peux vous dire qu'on a un sacré connaisseur avec nous, Denis. Donc ensuite, Philippe Bourdeau, président de la Société mycologique de Nouvelle-Calédonie, l'expert champignon, et son formidable petit guide, le guide de l'association, on vous en parlera après. Carole Bernard, donc la directrice du CIE, avec qui nous étions sur le platier. Fabienne Bourdeau, la chargée de mission pédagogie du CIE, voilà. Et Sylvie Charmant, donc en charge de la communication de la direction du développement durable des territoires, qui est référente donc à la province sud pour les aires éducatives environnementales. Et puis dans la salle, nous aurons avec nous Gibran Sadouki, que vous avez pu voir dans le reportage, qui pourra témoigner également l'utilité, en tout cas de ce qu'il retire personnellement de cette culture naturaliste qui le passionne. Et puis je ne sais pas si Laetitia Cotereux est avec nous ce soir aussi, qu'on a vu dans le reportage, qui est animatrice au CIU, elle n'est peut-être pas encore arrivée. Bon, mais voilà, elle pourra aussi intervenir. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on projette une image. Voilà, c'est juste pour introduire un petit peu le sujet, introduire le débat. Donc, entre culture marketing ou culture naturaliste. Voilà, donc c'est une enquête qui a été faite aux États-Unis et qui fait ressortir le fait qu'un enfant américain connaît 1000 logos de marques, mais ne sait pas différencier deux feuilles d'arbres. C'est grave quand même. Donc on vit dans un monde où on connaît mieux les grandes marques que les éléments de la nature qui nous entourent. C'est tiré d'un livre de Baptiste Morisot, qui est maître de conférence en philosophie à l'université d'Aix-Marseille, et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Manière d'être vivant », et qui est un livre magnifique, extraordinaire. Donc voilà, c'est quand même inquiétant, hein. Donc, bien sûr, Gibran ne fait pas du tout partie de cette catégorie. Il en connaît certainement beaucoup plus que beaucoup d'entre nous. Voilà, donc, écoutez, c'est parti. Donc, nos invités sont là. Moi, je vais peut-être poser deux, trois questions avant de vous laisser la parole. Et j'aimerais commencer avec notre ami Denis, puisqu'on n'a pas encore abordé ce sujet. Alors, je recherche ma petite fiche. Voilà. Denis, alors déjà, pendant le film, je t'ai entendu me souffler à l'oreille derrière. Oui, nous, on a aussi les champignons fluorescents. Et effectivement, Guapin, c'est une découverte extraordinaire parce qu'il y a quelques années, j'y étais allée en reportage avec Hubert pour découvrir, faire connaissance avec Denis. Et le soir, Édouard, je ne me souviens plus de son nom de famille, pour un hibou qui est un ancien de la tribu, nous a emmené, mes enfants et moi, je ne sais pas si ma fille s'en rappelle, dans la forêt pour nous faire une surprise. Et à un moment donné, on était vraiment dans le noir et il a ouvert la main comme ça. Et là, il avait des taches vertes, fluorescentes dans les mains. On était émerveillés. Et puis on a continué le chemin, il ne nous a rien dit. Et là, on est arrivé sur les troncs des pins colonnaires. Il y en avait de partout. On aurait dit qu'il y avait une invasion d'extraterrestres. On a découvert à Guapin nos premiers champignons fluorescents. C'était un moment extraordinaire. Denis,
Donc toi qui es guide naturaliste dans cette tribu, tu fais un travail incroyable depuis plusieurs années auprès de, maintenant, je ne sais pas, au moins deux générations. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Bonsoir à tous. Je vais me présenter d'abord. Oui. Rapproche-toi, tu peux enlever. Je suis Denis Mien-du-Pauveux, je suis guide là à la tribu de Guap, la commune de Pouya, comme Isabelle l'a dit. Et voilà, mon travail de naturaliste, on va dire que voilà, c'est déjà une connaissance qu'on a, comme quand on est petit, on est déjà dedans, quoi. C'est à partir de très jeune âge qu'on est déjà dans quelque sorte naturaliste. Parce qu'on le vit, à la tribu. Et mon travail avec les enfants, excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude aussi de parler devant beaucoup de monde là. Et je suis un peu impressionné malgré que. Je fais déjà beaucoup de sorties naturalistes et je suis habitué aussi à parler devant un petit nombre de personnes, mais devant un nombre de personnes, c'est un peu impressionnant. C'est la première fois que je fais du débat avec vous comme ça. Et voilà, le travail que j'ai fait à la tribu, c'est depuis plusieurs années déjà que je travaille dessus. Avec les enfants, des fois, je fais des interventions aussi dans les écoles. C'est parce que c'est un travail aussi qui s'est fait au niveau de la tribu. On s'est rendu compte que peut-être que la transmission ne se passait pas comme on croyait dans le film tout à l'heure. Des fois, la transmission ne se passait pas bien. Au niveau de la tribu, on a pensé à travailler, à passer ce message-là au niveau de nos enfants. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec les écoles et tout ça. Justement, voilà. on diffuse derrière les photos, qui sont des photos de Nicolas Petit, donc qui ont été faites à la tribu de Guapin. Bon, les photos d'avant, s'il te plaît. Voilà, celui-là. Voilà. Un des travaux qu'on a. Ça fait déjà très longtemps qu'on a ces photos, une dizaine d'années déjà. Et ces photos-là, c'est pour montrer un peu aux enfants le cheminement de l'eau et le cycle de l'eau qui vient de la tribu. Parce que quand on est petit, on voit seulement l'eau dans le robinet, quoi. C'est ça qu'on a, avec le WWF, on a pensé à. Faire une maquette de la tribu, ça c'est la maquette de la tribu que vous voyez là. Et voilà, là je suis en train de leur montrer comment l'eau il descend de la montagne pour arriver jusqu'en bas de la vallée, quand ils voient la rivière qui passe en bas. Voilà, ça vient de la montagne, puis voilà, ça descend jusqu'en bas de la vallée. Et aussi situer un peu les endroits où les enfants ils vivent, quoi. Voilà, cette photo-là. La photo d'après, c'est le travail qu'on. C'est toujours un travail qu'on fait au niveau de la tribu. C'est avec le WWF aussi, quand ils sont arrivés. C'est des journées éco-citoyennes. Et une des attractions aussi, c'est la visite du Pungani de Roussette derrière la tribu de Nguap. Voilà, c'est le travail qu'on fait. Avec les enfants, chacun matérialise sa façon de voir les animaux et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont dessiné une roussette. Et c'était pendant la nuit de la chauve-souris, là-haut, à la tribu. Voilà, c'est ça, en photo. Voilà, il y a le notou et la roussette, qui est assez représentatif au niveau culturel, parce que c'est nos totems et aussi... les rois de la forêt. Deuxième.
Oui, voilà, c'est toujours dans le travail avec les enfants, de travailler à l'école, puis ils montrent lors de la journée de la journée avec les gens de la tribu, et ils le montrent à tous les parents et toute la tribu, quoi. Voilà, ça aussi, c'était toujours le même travail. Voilà, c'est avec les gens qui viennent à la tribu pour découvrir la tribu, ben, et tous les... Et là, c'est dernièrement, là, comme la maquette était à l'école, puis c'était un peu dégradé parce qu'on avait mis des mousses dessus. Là, on l'avait refaite il y a quelques mois de ça. C'est cette photo qui est là. Avec, on ne voit pas dessus la photo là, mais on a repositionné tous les maisons des enfants qui dans la vallée. Voilà un peu le travail que j'ai fait à la tribu. Les interventions que je fais aussi, je le fais bénévolement. C'est pas à chaque fois plusieurs interventions que je fais, mais bénévolement. C'est pour aider les enfants et aider aussi les enseignants dans leur travail. Voilà, ça, voilà mon travail. Alors Denis, faut peut-être préciser que cet enseignement, tu le fais en français, mais tu le fais aussi en païchi. Oui. Alors pourquoi c'est important de le faire aussi dans la langue de ces enfants? C'est important parce que ça fait partie de notre culture. Si on est, c'est ça qui définit un peuple, quoi. C'est la langue qui le parle. Et si les enfants ils connaissent pas les noms des, ou ils apprennent pas bien les noms des plantes, c'est pas bon. Après ça va se perdre aussi. Connaître les noms en langue et puis connaître toutes les histoires qui sont liées, parce que dans la culture kanak, chaque élément de la nature a une représentation en lien avec la vie des hommes. Oui, chaque plante, chaque animal, chaque élément de la nature, mais elle est représentative de quelque chose, quoi. Des fois, elle représente un clan, des fois, elle représente... oui, voilà, l'esprit, on va dire l'esprit, mais voilà, pour chaque chose, on va dire que c'est vivant, quoi. Le vin, il est vivant, l'eau, c'est quelque chose de vivant aussi, ça permet de faire vivre tout le monde, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Oui, Hubert. Je voudrais dire, Denis est très humble, mais c'est un excellent guide naturaliste rencontré en 2003, donc, 19 ans, et qui, quand il nomme les plantes, par exemple, il les nomme en français, en païchi, le nom scientifique, et en anglais quand il accueille les scientifiques américains ou australiens. Donc c'est aussi quelqu'un qui est vraiment passerelle entre les différents mondes, et nous on a fait un gros travail avec Denis et avec tous les amis de la tribu pour ne pas opposer la culture scientifique à la culture locale, la culture kanak, le lien à la nature qu'ils avaient, mais au contraire d'essayer de comprendre comment ça s'organisait et de collecter ce savoir et de le réinvestir dans des projets, entre autres avec l'école tribale, voilà. Et donc Denis, on est à sa deuxième génération maintenant d'enfants. Voilà, les petits que vous avez vus sur les premières images, maintenant sont eux-mêmes parents et les enfants sont à l'école de la tribu. Donc un énorme bravo à toi pour tout ce que tu fais. Oui, donc c'est quelque chose qui dure dans le temps et je crois d'ailleurs que c'est même la signification du mot guapin, la tribu qui dure dans le temps. Oui, voilà, c'est ça. Tu l'incarnes très très bien, Denis. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion après, bien sûr, de poser des questions à Denis. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est possible. Ok. Alors justement, cette culture, ces connaissances, eh bien, certains pensent que c'est compliqué d'y accéder.
Hein, on pense que c'est un peu réservé aux gens qui ont forcément des connaissances scientifiques. Alors, c'était peut-être le cas avant, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Bah, grâce à des associations, comme on l'a vu, hein, l'association mycologique, ou encore grâce au CIE. Et là, maintenant, c'est à toi que je vais donner la parole, Carole. Peut-être pour retracer un petit peu, justement, toute la démocratisation de la culture naturaliste. Et puis, nous dire un petit mot aussi sur le travail du CIE depuis 25 ans maintenant. Bonsoir tout le monde. Oui, le CIE existe depuis 1996, donc un certain passif au niveau de l'éducation et de la culture naturaliste en particulier. Donc effectivement, peut-être qu'autrefois, la culture naturaliste était réservée à un certain nombre de personnes, mais aujourd'hui, on essaye, en tout cas nous, au CIE, d'être auprès de tout le monde, de vraiment de rendre ça accessible à tous et vraiment d'ouvrir, donc, que ce soit nos sorties, que ce soit les animations que l'on peut faire aux plus jeunes de la population comme aux plus anciens, et d'adapter effectivement notre discours en fonction du public que l'on va avoir. Donc l'idée, c'est vraiment que le maximum de personnes, comme on l'a vu dans le film, se rapprochent de la nature, comprennent son environnement proche et un peu plus lointain, de manière à comprendre, à maîtriser un petit peu ce qui nous entoure, de manière à mieux le protéger, mieux le préserver. Donc autrefois, c'était beaucoup dans les ouvrages. Aujourd'hui, on essaye plutôt de découvrir directement sur le terrain. On a des outils, donc on va utiliser des caméras. On a vu des appareils photo et essayer de voir les caractères qui différencient les différents organismes, animaux, végétaux ou champignons, pour essayer de comprendre comment ils sont faits, apprendre à les reconnaître, se les approprier. Et puis, en fait, après, c'est un petit peu addictif, je crois, quand on tombe dedans. Donc là, évidemment, au niveau de la table, mais je pense dans la salle aussi, on va être d'accord sur ce point-là. Mais c'est vrai qu'après, on se prend au jeu et puis on a l'impression qu'on sait ce que c'est. Et puis finalement, on se rend compte que quand on va dans les ouvrages, on cherche, non, il y a des différences. Donc on essaye tout le temps d'en savoir davantage, d'en connaître plus et puis de partager dès qu'on découvre de nouvelles choses. D'ailleurs, je précise que le CIE édite plusieurs guides sur les écosystèmes ou même sur des espèces comme le dugong, les baleines, les tortues. Voilà, on a des guides sur la forêt sèche, la mangrove, les zones humides, etc. Et puis, bien sûr, il y a aussi le guide des champignons de Nouvelle-Calédonie. Mais Philippe nous en reparlera après. Et puis, si vous souhaitez en acquérir, il en a amené quelques-uns avec lui. Donc, alors moi, j'ai encore plein de questions pour les intervenants, mais je vais aussi vous laisser la parole. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions dans la salle ? Non ? Pas encore ? Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé, enfin, en tout cas, on n'a pas pu le garder dans l'émission parce qu'on aurait pu faire un 52 minutes facilement. Je peux dire que ça a été une vraie torture de devoir couper certains passages. Et il y a un point qu'on n'a pas qu'on avait abordé avec Fabienne au sujet des aires éducatives environnementales, c'est le vivre son territoire. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Fabienne ? Oui, si dans les aires éducatives, on a pour mission avec les jeunes de prendre connaissance de son environnement, il y a aussi le vivre avec les acteurs du territoire. C'est-à-dire que le jeune va partir auditer un petit peu qui vit dans ce territoire, quels sont les acteurs, qu'ils soient des acteurs du tissu économique, du tissu associatif, parce qu'effectivement, on va en permanence essayer de s'appuyer, de trouver des soutiens, et surtout, par la suite, de pouvoir mobiliser et transmettre tout ce qui a été acquis. Pourquoi ? Parce qu'on a pour mission quand même, à un moment donné, de restaurer quand c'est abîmé, voire de préserver quand c'est en très bon état. Et pour ça, eh bien, il faut aller mobiliser les adultes, les acteurs de ce territoire. Donc on part à la rencontre, effectivement, eh bien, d'un industriel. On peut partir à la rencontre d'un maire. On peut rencontrer aussi des associations qui vont nous permettre, effectivement, de trouver du soutien et par la suite aussi de faire passer les messages. Donc les jeunes, à un moment donné, vers la fin de l'année, ils sont très bien outillés, très bien armés
pour pouvoir mener ces missions-là. Et c'est quelque chose d'important. Je pourrais en parler des heures et des heures parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pour moi, après plus de 20 ans de travail, je m'aperçois que cette jeunesse est une jeunesse qui sait s'engager, qui se construit. Et la chance que j'ai, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes dans la durée. Et dans la durée, on voit bien qu'il y a une modification de cette jeunesse en tant qu'individu, pas tant... Bien sûr, ils apprennent, ils ont des savoirs, ils acquièrent des savoirs, ils acquièrent des postures, mais au-delà de ça, ça devient vraiment des jeunes engagés, qui défendent des choses et qui peuvent aller très loin dans l'engagement, parfois. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de les voir grandir et de devenir, eh bien, comme je le disais, des acteurs à part entière. Eh bien, écoute, moi, je trouve que là, la transition vers la petite vidéo, elle est toute trouvée. C'est le moment de la diffuser. Hein, alors, on va vous passer une petite vidéo qui dure 2 minutes 30, qui s'appelle « Moi, la biodiversité », qui a été réalisée par des élèves de 4e, donc qui avaient 13 et 14 ans, du collège du Sacré-Cœur à Bourail l'année dernière, donc qui ont travaillé sur une aire éducative environnementale avec Fabienne, et en retour, eh bien, ils lui ont envoyé cette vidéo-là. Je crois que voilà, ça se passe de commentaires. Le retour, il est là. Écoutez bien. Je suis les feuilles, je suis les fleurs, je suis les hommes, je suis les femmes, je suis les nageoires, je suis les ailes, je suis les animaux, je suis les végétaux. Je suis les êtres vivants. Je suis la biodiversité. Je suis là depuis le commencement. Je vous ai vu naître, je vous ai vu évoluer, et maintenant, je vous vois me détruire. Je désigne toutes les formes que prend le vivant sur notre planète, et je suis constituée de 3 niveaux. Le premier désigne les gènes de variétés différentes qui font que chacun a un caractère unique. Le second présente la diversité de toutes les espèces vivantes, qu'elles soient d'hier ou d'aujourd'hui. Et enfin, le troisième qualifie les écosystèmes, ces relations entre les êtres vivants dans différents milieux. Aujourd'hui, je souffre, j'agonise. Mes différentes espèces sont en danger et certaines sont déjà en voie d'extinction. Vos feux de camp me détruisent, vos déchets m'empoisonnent. Vos voitures dégagent des gaz qui augmentent l'effet de serre et favorisent le réchauffement climatique. Celui-ci entraîne la montée des eaux, qui détruit les côtes. Pour ne rien arranger, vous garez vos véhicules sur le littoral, qui ne peut supporter un tel poids et s'affaisse. L'érosion est de plus en plus forte chaque année. Je me meurs et je ne peux rien faire pour que ça s'arrange. Mais vous, vous êtes acteur de ma survie. Vous pouvez faire tellement. Il vous suffirait de ne pas dégrader la végétation ou de chasser raisonnablement. Les feux de camp peuvent être faits dans des barbecues. Les déchets peuvent être mis à la poubelle. Pour l'érosion, il suffit de favoriser la marche ou le vélo pour de courts trajets et de se garer loin du littoral lorsque l'on va à la plage. Mais bon, l'espoir est infime. Il est tout petit. Mais si vous prenez parti, tout pourrait changer. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous, de vos proches, de vos amis. Seule, je suis impuissante, je ne peux rien. Mais vous, vous êtes ma survie, mon espoir. Répondez à mon SOS. Est-ce que tu veux dire un petit mot au sujet de cette vidéo, Fabienne ? Je suis très émue parce que c'est quand même 3 ans de travail avec ces jeunes. Et à travers cette vidéo qu'ils ont produite, c'était vraiment faire passer des messages. Il y a eu tout un travail scientifique, suivi de traits de côte, d'érosion, etc. Et cette vidéo, ils l'ont produite pour alerter, alarmer, mais en même temps avec ce petit espoir, faible pour eux, mais quand même espoir, pour que tous ceux qui sont là et ceux qui sont à l'extérieur puissent prendre conscience de l'importance de la nature, qu'on n'en fait qu'un avec elle, et qu'elle nous a vu naître, elle nous a vu apparaître sur Terre, elle nous verra peut-être disparaître. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui de s'engager, de faire des petits gestes pour la préserver et la restaurer. Merci beaucoup, Fabienne. J'ai envie d'enchaîner avec toi, Gibran, parce qu'on est vraiment...
dans ce sujet-là. Donc, Gibran, tu peux venir nous rejoindre. Je vais te donner un micro. Et tu vas nous apporter ton témoignage. Alors, hop. Donc, Gibran, toi, tu as 14 ans, c'est ça ? C'est ça. Et donc, tu as été donc, sur le projet de l'aire éducative environnementale du Platier Ricaudi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est surtout pour le public là, que tu vas partager ça. Ça m'a apporté un savoir, une envie de savoir ce qui nous entoure, de découvrir. Et ça m'a apporté une culture générale sur les êtres vivants et tout ce qui nous entoure. Et donc tu disais dans le reportage que tu le partages avec ta famille, avec tes amis. Et comment ils reçoivent ce message autour de toi ? Ta famille est là, justement, ce soir ? Ils le reçoivent très bien et ils écoutent ce que j'ai à leur dire et eux m'apportent aussi d'autres choses que je ne savais pas. Et c'est important de discuter sur ces sujets-là qui sont centrales aujourd'hui autour de nous. Vous avez des questions à poser à Gibran ? Je crois qu'en fait, il a dit un peu l'essentiel. Hein. Merci Gibran, et n'hésite pas si tu veux à nouveau intervenir. Tu es le bienvenu. Merci. Attends, ah, ça y est. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Gibran ? Moi, je voudrais partir dans une filière médicale pour aider les autres et les soigner, ou partir dans une filière environnementale pour protéger la planète. D'accord. C'est de l'écologie. Même si c'est l'homme, c'est l'écologie humaine. Donc, bravo, c'est super. Dans les deux cas, tu peux protéger la vie. Merci. Merci. Oui, on peut l'applaudir. Bonsoir. J'ai une question pour toi, si on peut se tutoyer. Dans les yeux de l'esprit de quelqu'un qui a 14 ans, est-ce que tu penses que des réprimandes ou des pénalités ou des renforcements des personnes qui effreignent les lois de la nature ou les lois de l'environnement, code de l'environnement, sont en adéquation avec, par exemple, la destruction parfois des hectares, des milliers d'hectares de forêts ou la destruction des palétuviers avec parfois on appelle ça des modes compensatoires, c'est ça ? Quand on replante d'autres espèces, sachant qu'on ne peut pas reproduire un écosystème qui est peut-être enfoui par un lotissement ou un projet de marina, etc. Voilà, j'aimerais bien savoir, à travers tes yeux, ton esprit, est-ce que tu penses que les amendes sont en adéquation avec la biodiversité et la nature qui est détruite par accident parfois. Est-ce qu'elles sont assez importantes ? C'est ça ? Pardon ? Si les amendes ou les réprimandes sont assez importantes ? Oui. Ouais. Je ne trouve pas qu'elles sont assez importantes, mais il faut les sensibiliser parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il faut leur montrer ce qui nous entoure parce que c'est des gens souvent qui ne savent pas ce qu'ils font ou c'est des petits gestes au quotidien qui leur paraissent normaux mais qui sont dévastateurs. Il faut leur montrer comment faire et quitte à y aller avec la manière forte des fois, mais pas souvent. Souvent on peut montrer, apprendre. Il est, comme je disais tout à l'heure, il n'est jamais trop tard pour apprendre et puis on ne peut protéger que ce qu'on se connaît. Voilà. Merci Gibran. Merci Mike. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Toujours pas ? Très bien, on continue alors. Alors, moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur les dispositifs qui sont mis en place par la province sud, justement concernant l'éducation à l'environnement et la culture naturaliste. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que les A2E comme on vient de le voir. Donc je te laisse la parole, Sylvie. Oui, du coup, pour la province sud, c'est aussi important de valoriser, de faire en sorte que les jeunes, mais aussi les adultes,
connaissent leur environnement. Donc on a parlé des dispositifs éducatifs comme les A2E. Il y a aussi les JDD, Jeunesse Développement Durable, le label Éco-École, avec lequel on a en partenariat avec le CIE qui intervient, pas que le CIE, mais principalement qui intervient dans les écoles pour se présenter ces différents dispositifs. On a aussi, en dehors des établissements scolaires, mis en place des visites guidées. Bon, on en a un peu parlé dans la vidéo. Donc, il y a tout ce qui se fait sortie nature au parc des Grandes Fougères. Donc, des visites guidées à thème chaque mois. Il y a aussi des visites guidées au parc provincial de zoologique et forestier à Nouméa. Donc là, c'est encore à destination des scolaires. Donc, ça touche à peu près 2000 enfants par an. De la maternelle au CM2 qui viennent visiter les parcelles de forêt sèche ou découvrir les espèces endémiques qui se trouvent au parc forestier. Et enfin, on a aussi des conférences Cénature qui ont lieu une fois par mois et qui permettent aussi de présenter au public toutes les recherches scientifiques environnementales qui sont faites en Nouvelle-Calédonie. Donc, D'ailleurs, voilà. J'en profite pour annoncer celle de mardi prochain. C'est peut-être ça. Je te laisse le faire. Donc mardi, à l'auditorium de la province sud, la prochaine conférence a pour thème les serpents marins de Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Je vous invite à venir découvrir cette thématique. Donc qui sera présentée, animée par Claire Guaran, qui était juste là, qui vient juste de s'en aller. Donc ça va être une conférence passionnante. Alors concernant les aires éducatives environnementales, hein, on précise dans l'émission qu'il y en a à peu près une trentaine dans les communes de Nouméa, Mondor, Dimbéa, Païta, Yaté, Thio, Bouraille et l'île des Pins, qui touchent trois thématiques, le milieu marin, la forêt sèche et l'agroforesterie. Mais je crois que l'objectif de la province, c'est de tripler ce chiffre. Oui, c'est ça. On aimerait bien, d'ici quelques années, arriver à toucher une centaine de classes. Voilà, donc. Ah, c'est un bel objectif. Alors, Hubert, dans l'émission, on parle justement du déploiement de ces aires éducatives environnementales sur l'ensemble du territoire, grâce notamment au soutien de l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Est-ce qu'on peut en dire un mot, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Et puis ensuite, quel est le travail qui est fait par le CIE justement en province nord? On en est où aujourd'hui moi, je peux répondre si tu veux, parce que je suis en train de le mettre en place, en fait. Ah bah, oui, effectivement, c'est mieux. Je m'excuse, Hubert, je te coupe la parole. Mais c'est vrai que du coup, je sentais... Donc, effectivement, le CIE et la cellule d'appui de l'OFB pour mettre en place les aires éducatives en province nord et aux îles Loyauté. Donc, actuellement, il y a 4 établissements pilotes. 3 en province nord et 1 aux îles Loyauté, donc sur UVA, donc qui sont en train de découvrir ce que c'est qu'une aire éducative, comment ça se déclenche, comment on met en place, comment on va choisir un site et toutes les difficultés qui vont être liées à la mise en place du choix du site, puisque une aire éducative, on ne va pas dire nous on veut travailler là, on se met là et on fait. Ils vont effectivement dire ça au début, mais il va falloir aussi qu'ils se rapprochent de la commune, des coutumiers, pour savoir s'ils ont le droit. Et donc, ils vont rentrer vraiment dans une démarche complète avec des courriers pour d'abord choisir le site. C'est ce qui peut prendre le plus de temps, des fois, souvent. Souvent, on veut de suite aller dans l'action et en réalité, les actions vont venir derrière. Donc là, actuellement, l'idée, c'est de choisir le site. Donc il y a des sites qui ont été choisis. Ben, ils se sont heurtés à des difficultés. Sur Pointe-Boute, c'est à peu près choisi, mais ils attendent quand même les retours, les confirmations. Et sur UVA, ce n'est pas encore choisi. Il y a plusieurs pistes. Et également, en province nord-côte-est, on a Puebo et Point-d'Imier, donc ils sont en train de réfléchir et de lancer les démarches. Donc on est au tout début. Mais l'idée, c'est dès l'année prochaine de pouvoir l'ouvrir à d'autres établissements, que ce soit du primaire ou du secondaire. Donc de multiplier ces dispositifs aussi en province nord et aux îles Loyauté. Merci Carole. Alors la société Micole, oui pardon, tu voulais compléter.
Non, je voulais enchaîner justement avec ce travail avec les scolaires. Je voulais savoir si la société mycologique avait également des projets avec les scolaires, parce que cette découverte des champignons, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Enfin, moi, ça m'a marqué, j'avoue. Et c'est vrai, preuve en est, hein, on fait la sortie, je ne voyais rien. Et après le tournage, une semaine plus tard, j'emmène des amis au Bois du Sud. Il pleuvait, ça tombait bien. Et en moins d'une heure, mon ami Joël peut en témoigner, en moins d'une heure, on avait identifié 14 espèces. Avant la sortie, on n'aurait rien vu parce qu'ils sont tout petits. Et là, on était effectivement en mode chasse au trésor. Donc c'est la pédagogie que tu emploies, hein, c'est le jeu. Et c'est vrai que se mettre en mode champignon et partir à la chasse au trésor avec son petit guide, eh ben, on ne voit pas le temps passer, on se prend facilement au jeu. Alors, est-ce que vous avez également des projets avec les scolaires ? Alors, le problème de faire des sorties avec les scolaires, ça, c'est lié au fonctionnement de l'association. On est tous plus ou moins salariés, et donc les seules périodes où on peut être disponible pour être avec les enfants sur le terrain, c'est le samedi matin. Ouais. Donc on en a fait une avec une école, il y avait 8 ou 9 enfants, c'était super bien passé. Par contre, ce sont des clients très redoutables quand on fait des sorties, parce que ils ont une très bonne vue. Et en plus, on dirait qu'ils font presque esprit, parce que c'est souvent les tout petits qui voient et pas les gros. Mais bon, mais c'est très agréable de voir à la vitesse à laquelle ils s'accaparent le sujet. Et puis le jeu, quoi. Ils y vont de tout cœur. Et puis ben voilà, après, le plus dur, c'est j'en ai un, et d'arriver à fournir pour essayer de les intéresser. Et de leur faire doucher du doigt comme un champignon, c'est pas tout à fait ce que l'on croit, et sa fonction et son utilité dans un écosystème. Ouais. Mais enfin, le problème, on voudrait bien le faire, mais le problème, voilà, c'est la disponibilité que l'on peut avoir pour le faire. Donc on fait des sorties le samedi pour les adultes et les enfants, notamment au parc provincial des Grandes Fougères. Mais voilà, c'est aussi un problème de disponibilité surtout. D'accord, merci. Vous avez des questions ? Oui, alors on en a deux. J'ai un exemplaire de ce guide, je trouve formidable. Et j'ai fait une visite avec mes petits-enfants et des amis au Bois du Sud, et nous avons découvert plein de variétés différentes. La question que je pose, la différence entre les fungi et les champignons. Les fungi poussent sur les arbres, les champignons poussent... Les champignons, ils poussent partout. Ça va dans tous les milieux, on en trouve en haut de l'Himalaya, jusque dans la fosse des Mariannes. Il y a plus de 1000 espèces de champignons répertoriées en milieu marin. Ouais. Il y en a 3 ou 4 en eau douce. Et on en trouve partout. Donc, le problème d'un champignon, c'est qu'il ne peut pas vivre tout seul. Il a besoin de récupérer des sucres pour vivre. Donc après, ça se fait soit au détriment de l'organisme sur lequel il se pose, soit en partageant avec des mycorhizations. Mais il y en a partout. Mais quelle est la différence entre un fungi, et un champignon ? Ou est-ce que... je vais faire une mauvaise blague. Fungicien en anglais et champignon en français, c'est exactement la même chose. D'accord. C'est juste le champignon, en fin de compte. Historiquement, les champignons ont toujours été décrits comme des végétaux qui n'arrivaient pas à faire des feuilles. Et il y a toute une littérature qui utilise des termes de botanique pour décrire les champignons. Et il a fallu l'avènement de la connaissance de l'ADN pour que vers 1965, il y ait un scientifique qui crée, en prouvant, le règne des champignons. Et les champignons ont toujours posé des problèmes aux botanistes, parce que le sucre principal sur les végétaux, c'est la cellulose, alors que dans les champignons, c'est la chitine, comme la peau des crevettes ou la peau de l'homme. Donc voilà, c'est assez récent, ça fait une cinquantaine d'années à peu près, un peu plus, que les champignons ont leur propre règne. Tu disais que les champignons sont partout. Bah, effectivement, moi, en préparant l'émission, j'ai aussi appris que les champignons étaient dans le sol de la mangrove. Donc on en trouve sur les sols. Ah, il y en a partout. Voilà, ils sont partout. Ils sont même partout. En mer. Voilà. Voilà. C'est un monde passionnant. Oui. Moi, j'étais... Alors, j'adore les champignons aussi, comme vous. Par contre, j'ai été déçu. On ne peut pas les manger. Alors, on ne va pas y aller comme ça, manger les rouges, c'est bizarre, mais donc ça, si on est accompagné, on peut vraiment... Ouais.
Ça, c'est la première question que systématiquement on nous pose. Qu'est-ce qui se mange ? Alors, en Calédonie, à l'heure actuelle, mais c'est une très bonne question, ça me permet de... En Calédonie, à l'heure actuelle, on a recensé à peu près une douzaine d'espèces qui se consomment. Et en collaboration avec l'IAC, avec Fabien Carigon de l'IAC et d'un chercheur indépendant français qui travaille en Nouvelle-Zélande, Alexis Guérin-Laguette, on a commencé à essayer de faire une étude ethnomycologique de qu'est-ce qui se consomme en Calédonie. Donc, je lance un appel. Si des gens ont l'habitude de consommer des champignons, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, parce qu'on fait une petite enquête en leur demandant quel type de champignons ils consomment. Si il y a de la chance, quand ils nous contactent, que l'on puisse faire une récolte, nous, pour faire l'étude de l'ADN, pour savoir quel type de champignons c'est. Et puis après, derrière, on demande est-ce qu'il y a des contes, des légendes, est-ce que vous avez des histoires spécifiques par rapport aux champignons. Et puis, pour les plus gourmands, on demande aussi quel type de recette ils préfèrent. Et donc, tout ça, c'est une étude qui commence cette année. On va essayer de l'aboutir en 2-3 ans pour essayer de voir après ce que l'on peut progresser. Et le but, ça serait peut-être, le but ultime, ça serait peut-être de pouvoir essayer de sortir 2-3 espèces vraiment très, très consommées pour voir si on peut essayer de la cultiver. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de la notion d'Internet chez les champignons, enfin du système Internet, oui. En métaphore. Est-ce que vous pouvez développer ça, et notamment sur la possibilité des arbres d'échanger des informations. Enfin, je sais qu'ils échangent effectivement des nutriments, mais est-ce qu'ils échangent des informations, et si oui, est-ce que c'est grâce à ce système-là? Alors, l'expérience, elle a été faite. Donc, on met dans une pièce spéciale des plantes de la même espèce qui sont strictement reliées que par des petits cordons de terre dans lesquels on mycorhise. Donc, on met des choses, tout est stérile, et on isole chaque plante de la première rangée, deuxième, troisième rangée, les unes des autres, pour pas qu'il y ait d'échanges aériens. Seuls les échanges entre ces espèces végétales ne peuvent se faire que par le sol. Et il a été démontré que quand on inocule un virus sur la première rangée, la deuxième rangée commence à se préparer et la troisième, qui n'a jamais été en contact, a déjà commencé aussi à fabriquer les défenses qu'elle pourra avoir à utiliser pour se protéger de ce virus. Mais si on est un peu observateur, quand on regarde des plantations dans la nature, généralement, il y a toujours les bordures des plantations qui sont attaquées et puis 2, 3, 4 rangées après, la plantation elle est saine. Ben, c'est simplement que les arbres se sont transmis les informations et ont pu développer des défenses contre les bords d'attaque qui ont été attaqués par les maladies. Avec le micro, s'il te plaît, parce qu'on enregistre. L'information, elle est véhiculée à travers tout ce qui est ces tout petits filaments mycéliens, ce qu'on appelle des IF. C'est des petits tuyaux, pour parler pas du tout scientifique, qui sont 10 à 20 fois plus fins que les cheveux et ils sont en relation au niveau de chaque système racinaire de chaque plante. Et donc, c'est via ce système-là que les informations circulent. Alors, j'ai bien compris qu'ils utilisaient effectivement ce système-là, enfin le système du réseau des champignons, mais quel est le type d'information qui passe justement par ce système ? Ouais, c'est des informations chimiques et électriques. D'accord. Et on arrive à les décrypter ? Ah non, ça, on peut prouver que ça se fait, mais... C'est qu'une question de moyens. Généralement, la réponse est toujours ça. C'est qu'une question de moyens. Si on y met l'argent, on va y arriver. Donc Philippe connaît le mode champignon, mais pas encore la langue des champignons, le langage. Mais ça va venir. C'est-à-dire que venir. Je ne voudrais pas avoir un champignon sur la langue, par contre. Oui, tu as bien raison. On a une question en haut de là-bas, ici. Et puis ensuite Vincent. D'accord. Bonsoir. Alors par contre, moi j'ai une question qui est plus sur les champignons. Du coup, je ne sais pas si on continue le sujet des champignons. Mais je ne monopolise pas le micro. du coup, je voulais revenir aux aires éducatives. C'est super hein, comme dispositif. Moi, je suis hyper pour l'éducation des enfants.
Malheureusement, l'effondrement de la biodiversité, ça a déjà commencé. Et ceux qui sont les plus acteurs sont les adultes, enfin les jeunes adultes et moins jeunes adultes. Et du coup, ma question, bon, je sais que la réponse n'est pas évidente, sinon on aurait déjà trouvé la solution, c'est comment on peut démocratiser la culture naturaliste pour animer ce genre de d'éducation aussi pour les adultes, parce qu'en fait, maintenant que l'information est disponible et vulgarisée, maintenant il faut la rendre attractive et vraiment, en fait, le naturalisme ne devrait plus être une niche de quelques chercheurs ou de passionnés qui sont déjà sensibilisés. Enfin, je pense que ici dans la salle, les gens qui sont venus participer au débat sont déjà des personnes qui sont sensibilisées. Comment on peut réussir à attirer plus de personnes, à éduquer plus de personnes, enfin, tout le monde devrait être éduqué sur ces sujets-là. Voilà, je sais que ce n'est pas évident, mais si quelqu'un peut donner des voilà. Alors, je crois que si on avait, comme tu le disais au début, la réponse, on arrêterait de promouvoir la culture naturaliste et on serait chez nous ce soir. Tu as raison, ça, c'est la question essentielle. Il faut véritablement mobiliser tous les enfants, donc cette nouvelle génération, c'est bien, c'est la cible favorisée, la plus évidente, investir sur la nouvelle génération, mais sans trou dans le filet. C'est-à-dire que ce n'est pas 10 ou 15% des enfants calédoniens qui devraient avoir à un moment une sortie naturaliste, c'est 100% des enfants calédoniens. C'est ça le problème, c'est que ce n'est pas généralisé. Dans les établissements, il y a des gamins qui ont aussi ils n'ont pas la chance d'avoir un enseignant motivé ou les moyens de sortie scolaire, ils n'auront pas. Donc ça, c'est un élément important. L'autre chose, et tu as raison, c'est que les autres, nous, les adultes, c'est nous qui détruisons majoritairement. Il faut peut-être aussi que nous, on apprenne à raconter autrement. Je suis ornitho à la base. Je veux parler du pluvier fauve, donc un limicole, donc un oiseau de bord de mer, migrateur. Si je commence à dire son nom latin c'est Pluvialis fulva, il pèse tant, il fait sa mue à tel moment, etc. Je pense que j'aurais perdu, je vous ai sans doute peut-être déjà perdu. Par contre, si je fais du storytelling, c'est-à-dire si je raconte une histoire sur l'oiseau en disant là, et que je mets de l'émotion, comme disait Fabienne tout à l'heure, que je dis là, moi je suis impatient, en septembre, de chez moi, Motorpool, d'entendre le soir, quand on passera à table avec les enfants, à un moment en septembre, je vais entendre les premiers pluviers fauves arriver de l'autre bout de la planète, de l'hémisphère nord. Ils ont niché en Sibérie, et là ils sont en train d'arriver sur Nouméa. Eh bien, je suis sûr que demain, tu te souviendras du pluvier fauve. Pas si je t'avais juste parlé de Pluvialis fulva. Donc on raconte assez mal la nature. Et ça, je dirais que c'est notre problème, c'est notre faute. Et donc à nous de nous remettre en question et d'inventer des nouvelles manières, comme tu le disais aussi, je crois que tu parlais du terme attractif, je ne sais plus si c'est Carole ou Philippe qui parlait que le naturalisme, c'est un jeu. Faisons-en un jeu. Les adultes aiment jouer, et donc faisons-les jouer au naturalisme. Donc il faut inventer les passerelles, les opportunités de les faire jouer. Ils viendront pas forcément spontanément à une sortie naturaliste, etc. Donc il faut aller là où ils sont, les surprendre, les piéger à un moment de leur quotidien ou de leur vie classique. Donc il faut surprendre et aller là où on n'est pas attendu et raconter autrement la nature. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans à creuser. Moi, j'ai peut-être une question aussi pour vous, parce que vous nous posez des questions, mais nous aussi, on va vous en poser. Qui sait ce que c'est le cringy ? Bon, d'accord. Bon, ça m'aurait étonné, ça aurait été étonnant, hein, mais bon. Ouais. Bah, le cringy, qu'est-ce que c'est, Denis ? Sans l'accent, désolé. Oui, c'est cringy.
Grandi, c'est une espèce de râle. Hein. C'est une espèce de râle qui a disparu. Peut-être qu'il a été surchassé ou je ne sais pas, mais il a disparu. On ne le retrouve pas dans les espèces qui sont disparues. Ouais. Moi, c'est une espèce de grosse râle qui a assez tard là. Et qui a disparu. Mais les Grandi, c'est son nom là-haut à la tribu, à Guapa. Son nom à Paichi. Je parle de Paichi, hein, c'est la langue qui est parlée de Puya jusqu'à Poneiro, jusqu'à Kone. Voilà, ouais. C'est le nom de cette grosse râle que Hubert a dit. Ouais. Et ce qu'explique Denis, le Krenji ou le Djamui. Djamui, il y a aussi le Djamui. Et qui lui est un peu une grosse poule. Une grosse poule que les Assais racontaient l'histoire qu'ils allaient chasser dans la vallée derrière la tribu. Là. Donc c'était il y a quelques années de ça, peut-être des années 50 ou 40, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, les Assais racontaient l'histoire qu'ils vont chasser cette grosse poule. C'est une grosse poule. Hein. Mmh. Les Assais, ils chassaient. C'était facile à l'attraper parce qu'ils couraient. Puis, même avec les chiens aussi, c'était facile à le chasser. Quoi. C'est peut-être pour ça qu'il a disparu aussi, parce que comme c'est facile à le chasser. Voilà, c'était une grosse poule. Et donc, ce qu'illustre Denis dans son propos, là, il nous parle d'une nature qui a disparu. Il reste juste le nom. Et la dernière personne qui connaissait le nom et qui savait le raconter est décédée en 2004. Et une semaine avant que je revienne la voir pour qu'elle nous raconte davantage. Et c'était le grand-père de cette personne, donc Augustin Moto, un clan de la forêt, qui disait, c'était déjà une vieille personne, et mon grand-père qui chassait ces espèces-là. Il avait encore le nom et il racontait. Et donc, vous voyez un petit peu, c'est-à-dire dans une génération, bah, c'est un mot, donc c'est un élément de la culture paichi qui va disparaître, puisque l'objet, l'oiseau, il a disparu. Donc plus on perd les éléments de notre nature, notre biodiversité, plus on s'appauvrit culturellement aussi. Et donc c'est véritablement, ça a été un vrai choc, c'était le début de notre collaboration et notre amitié, c'est que là j'ai réalisé vraiment cette question d'effondrement non seulement de la biodiversité, mais que derrière c'était tout un aspect de culture, de nom, d'usage, de chasse, peut-être qu'avec les plumes ou les os, ils faisaient quelque chose, ça on ne le saura pas. Mais voilà, on est en train de perdre cette biodiversité, ça continue. Et cette culture, je crois que si on apprend le vivant, eh bien, ce sera aussi une manière de le remettre sur la table de nos consciences et de dire, ben voilà, nous on a envie que le notou, ça ne devienne pas, ou la roussette, que ce ne soit pas un animal dont on parlera au passé. Ben si, à une époque, il y a eu d'autres, il y a des gens qui ont eu des silvernis, des tortues à cornes, et puis ben, eux les ont connus, pas nous, et puis nous on a la chance de connaître les notous, les roussettes, peut-être que dans quelques générations, pareil, les enfants de nos enfants diront mais si, à l'époque, il y avait des animaux de cette taille-là, etc. On aura peut-être encore les noms, mais on n'aura plus l'animal. En tout cas, c'est quelque chose. Il n'y a pas dans beaucoup d'endroits encore où on a des témoignages vivants d'espèces de vertébrés qui ont disparu et où il y a encore des usages. Donc ce lien culture-nature est encore très fort à Guapin, si on devait l'illustrer. Quoi. Moi, si tu me permets, Hubert, je rebondis aussi, parce que dans notre métier, on est en contact, voilà, très enrichissant. C'est des métiers très passionnants parce qu'on s'enrichit mutuellement des autres. Et ce qui est vraiment important aujourd'hui aussi par rapport notamment à la jeunesse et pour rebondir, pour aller vers le monde de l'adulte, il faut recréer des projets, recréer des choses dans le lien multigénérationnel. Et ça, c'est vraiment essentiel. Parce que comme tu le dis, il y a beaucoup de savoirs qui se perdent. Et finalement, j'aime à dire aussi que la biodiversité, elle est dans l'humain, dans sa culture, dans ses cultures. Et encore une fois, on a beaucoup de... Enfin, même si les adultes, c'est important, la jeunesse aujourd'hui, elle va construire demain. Et il y a urgence à agir. Et pourtant, cette jeunesse, elle est déracinée aujourd'hui. Elle est déracinée parce qu'elle est en perte de ses savoirs. Ils se perdent. Et donc, en tout cas, au CIE, on aime beaucoup mettre au cœur des interventions, même quand on est sur un axe scientifique, voilà, d'abord...
le corps, en adéquation avec cette nature, s'enraciner, vraiment prendre racine, et regarder un paysage, se dire qu'il a eu une histoire. Elle est passée peut-être, cette histoire. Mais en tout cas, j'ai peut-être des éléments dans ce territoire qui me permettent de me replonger dans l'histoire, de comprendre d'où je viens. Puis aujourd'hui, je suis un individu d'aujourd'hui. Je regarde ce paysage. Ce paysage, il est, voilà, avec ce que je vais pouvoir auditer, ses impacts, au contraire, sa beauté esthétique et autres, ses cultures. Mais moi, demain, je serai adulte et je vais peut-être prendre des décisions. Et demain, ce paysage, qu'est-ce que je veux qu'il devienne ? Et c'est tout ce cheminement qu'il faut faire entre, effectivement, ce qui fait qu'on est riche de savoir, d'une histoire qui est différente, et elle est là, la biodiversité humaine, c'est des savoirs et des histoires différentes qui, quand elles sont partagées, eh bien, vont amener à cheminer sereinement aussi. Ça, c'est important, parce qu'il ne faut pas culpabiliser. Il faut avoir l'honnêteté de regarder les choses et en même temps se dire sereinement, on peut arriver à faire des choses ensemble et construire cet avenir demain, faire en sorte que cette nature, voilà, qui nous nourrit, qui fait notre richesse, eh bien, nous permette à nous humains d'être bien dans notre tête, dans notre corps, par la compréhension de ce qui est autour de nous. Des clés de lecture. Voilà, donc ça c'est important. Les adultes, c'est vrai que dans la culture naturaliste, si on fait des sorties, ben, c'est clair qu'on ne va pas avoir tout type de public. Et c'est là que c'est difficile. Ça veut dire que la deuxième chose aussi qui caractérise la mobilisation, c'est qu'il faut aller vers les gens, il faut aller au cœur des gens, dans les quartiers. Il faut aller les chercher, susciter leur curiosité. Parce qu'eux aussi vont regarder, vont se dire c'est quoi ce bonhomme, cette bonne femme-là, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle regarde. Et vont venir échanger, parce qu'on est des hommes et des femmes dans l'échange. On a encore cette richesse-là d'avoir des liens assez faciles. Et finalement, ben, en questionnant, en suscitant cette curiosité, on va commencer petit à petit à faire ce travail d'échange. Et puis petit à petit, ben, on va s'enrichir mutuellement des cultures, des savoirs des autres. Et puis nous-mêmes, on va amener des informations peut-être parfois scientifiques, mais pas que. Et finalement, on crée une émulation, mais ça prend du temps. Mais encore une fois, on ne peut réussir que si on va vers l'autre et pas attendre que les autres viennent à nous. Donc les sorties, c'est une belle chose. Mais encore une fois, il faut vraiment aller au cœur des gens. Sinon, c'est difficile. Donc, il faut prendre en considération ça aussi. Il faut aller vers les gens. Il faut faire cet effort-là d'aller vers les autres. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Merci. Alors, je crois qu'on avait... Voilà, on a Vincent, mais c'est bien, là, les questions commencent à arriver. Après, on en a donc deux autres. Bonsoir. Oui. Oui, c'est bon. Merci tout d'abord, Elisabeth, d'avoir abordé ce sujet et cette question, comment développer cette culture naturaliste, qui effectivement n'a pas de réponse évidente. Mais je voudrais dire, avant peut-être de regarder le sujet, on peut le regarder soit le verre à moitié plein, soit à moitié vide. Du côté à moitié plein, on a énormément de chance. C'est un paradis, c'est le paradis des naturalistes en Calédonie, parce qu'on a une biodiversité extraordinaire. On a aussi des roches extraordinaires. Vous avez parlé uniquement de biodiversité, mais il y a toute cette géologie, enfin, tous ces sols aussi. Enfin, bon, et il y a même, on peut imaginer, l'observation du ciel. Ça fait partie aussi d'une approche naturaliste. On a beaucoup de chance aussi parce qu'on a beaucoup de connaissances. On a beaucoup de gens impliqués dans la connaissance. On a en Calédonie beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur les milieux terrestres, les milieux marins ou d'eau douce. Donc ça, c'est une grande chance d'avoir toute cette connaissance. On a aussi des gens qui sont passionnés. On en a ici qui n'ont pas été forcément chercheurs, mais qui sont passionnés, qui apportent beaucoup de connaissances. Que ce soit, bon, je pense, voilà, Philippe ou Denis, ou bien sûr Hubert. Donc, on a cette chance d'avoir des passionnés qui, avec les chercheurs, produisent des ouvrages, comme on l'a vu dans le film. Et moi, j'avoue que ces ouvrages, pour moi, c'est vraiment des bibles. C'est génial d'avoir tous ces documents. On aimerait en avoir aussi, par exemple, sur les insectes, beaucoup de domaines encore qui restent encore à découvrir.
J'essaie de ne pas être long, mais je voudrais dire aussi qu'on a beaucoup de chance au niveau des associations. Hein, quand moi, il y a un peu plus de 40 ans, je me suis inscrit à la seule association, l'association de la sauvegarde de la nature. C'était la seule à exister et ils faisaient déjà des sorties, c'était extraordinaire. Hein. Et puis ça s'est développé, on voit là aujourd'hui un panel d'associations qui sont sur le territoire, qui viennent pour préserver notre environnement, informer les gens. Donc il y a ce côté assez enthousiaste de voir, il y a vraiment plein de choses qui se font, plein de données. Et puis ensuite on a aussi des institutions. Alors, les institutions qui s'impliquent de plus en plus, qui mettent des dispositifs en place pour que nos jeunes s'approprient un peu plus la nature. Donc ça, c'est un petit peu le côté du verre à moitié plein. Et en même temps, comme ça a été dit, on est un petit peu, les naturalistes, c'est un petit peu une niche. Hein. On se rend compte que des fois, c'est même difficile de communiquer avec les gens qui ne s'intéressent pas du tout à la nature ou bien qui s'y intéressent comme terrain de jeu. Alors là, il y a peut-être un point à toucher. Hein. On a beaucoup de gens qui font du sport, qui utilisent la mer comme terrain de jeu ou le milieu terrestre. Et là, il y a peut-être un pont aussi à créer. Hein. Je sais que nous, on a essayé à l'aide de la province sud via la Tina Vélo, hein, où on essayait de lier le sport et la découverte de milieux assez extraordinaires. Donc ça, c'est une voie possible. Mais en même temps, on se rend compte que heureusement qu'il y a toutes ces structures, parce que du côté de l'enseignement, vous savez, hein, j'ai enseigné longtemps les SVT en Nouvelle-Calédonie, on se rend compte que, à part quelques exceptions, l'enseignement ne diffuse pas cette culture naturaliste. Pour de multiples raisons. Hein. Ça peut être des raisons matérielles, parce que ça devient de plus en plus cher de faire des sorties sur le terrain, ou c'est compliqué de les organiser, ou il y a des histoires de responsabilité, ou encore parce qu'on n'a pas les compétences. Hein. Cette nature est tellement riche, elle est d'une complexité extraordinaire. Il y a des connaissances, mais comment s'approprier toutes ces connaissances pour pouvoir les transmettre aux enfants? Alors, ce qui est plus important, comme l'a dit Fabienne, c'est peut-être transmettre l'amour de cette nature. Hein. Mais bon, c'est pas facile. Et ça, c'est pour moi, ça reste le côté vision vert à moitié plein. Et effectivement, il serait intéressant d'y réfléchir et de sensibiliser peut-être aussi nos politiques à faire en sorte que ce ne soit pas que les institutions qui viennent chercher dans les établissements ou les associations, mais c'est qu'à l'intérieur même du dispositif éducatif, il y ait une réflexion, une évolution qui paraît de plus en plus cruciale par rapport aux questions actuelles. Oui, inscrire au programme scolaire la culture naturaliste, parce qu'aujourd'hui, les aires éducatives environnementales, c'est un dispositif formidable, mais il est sur la base du volontariat. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un enseignant qui porte le projet, qui soit passionné. Voilà, c'est vraiment dans le programme scolaire qu'il faut qu'il y ait une véritable transformation. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup, Vincent. Monsieur, et ensuite Madame en dessous. Bonsoir. Tout d'abord, merci Isabelle pour cette très belle soirée. Merci à tous les intervenants et je voulais remercier également le public parce que ça fait plaisir de voir des gens qui sont intéressés par ce genre de sujet. Alors j'aurais deux questions. En fait, est-ce que aujourd'hui vous faites tous des actions merveilleuses? Est-ce que les moyens sont là pour vous, et les moyens financiers, j'entends, sont là pour vous permettre de vraiment réaliser toutes les actions que vous voulez? Et si vous les aviez, ces moyens, est-ce que le personnel, les moyens humains, sont-ils disponibles pour réaliser toutes ces actions? Très bonne question. Le CIE? Alors, je vais me permettre de répondre. Donc, clairement, les moyens sont insuffisants. Par contre, du personnel, on pourrait en trouver, effectivement. On a des personnes, soit qui ont déjà le niveau, soit des personnes très motivées et que l'on pourrait former au sein de nos équipes. Nous, au niveau du CIE, on fait aujourd'hui annuellement environ 700 animations scolaires. On en a à peu près 200 à 300 auxquelles on ne peut pas répondre.
Donc il y a de la demande, clairement, les enseignants sont en demande au niveau des sorties, des projets, voilà, il y aurait clairement des gens intéressés. Après, on est nous juste 6 pour tout le territoire calédonien, avec des institutions qui nous suivent, mais pas toutes, avec des privés, voilà, on cherche un petit peu partout, c'est le quotidien, tous les jours, de chercher des financements pour permettre de répondre aux sollicitations. Alors évidemment, avec la crise qui est passée, ça a été encore plus compliqué, puisqu'on est censé rentrer dans les établissements scolaires, aller au contact des gens, donc ça a encore plus freiné certains qui commençaient à vouloir nous suivre. Bon, y en a qui reviennent, il y en a qui, pour l'instant, ne peuvent pas se le permettre. Donc clairement, le message est il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de demandes, mais aujourd'hui, pas les moyens de pouvoir répondre à tout le monde. On fait appel, nous, beaucoup à nos bénévoles, et certains sont dans la salle, on les remercie. Ça nous permet de pallier à certaines, compenser ce qu'on ne peut pas faire, nous, sur nos semaines. Mais voilà, c'est clairement pas suffisant. Merci, Carole. On avait la madame. Oui, bonjour. Bonsoir, désolée. J'avais une question par rapport aux actions de la province sud. Donc, tout ce que vous avez présenté, c'est vraiment génial. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Mais bon, la province sud, elle est aussi connue quand même pour sa gestion du risque requin, qui n'est pas très naturaliste pour le coup. Les requins, c'est quand même des animaux essentiels qu'on ne connaît pas bien et on est en train de les exterminer. Et du coup, moi, j'ai du mal à comprendre comment une institution peut promouvoir le fait de protéger la nature et en même temps la détruire. Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à gérer les choses différemment? Est-ce que la culture naturaliste, ce n'est pas aussi aux institutions de montrer l'exemple? Et voilà. Oui. C'est une question qui est délicate. Sylvie va vous répondre, mais c'est vrai que c'est plus une question qui va s'adresser, je pense, à un élu. Oui, c'est compliqué de répondre à sa place, mais Sylvie. Je tiens quand même à préciser que la province sud ne promeut pas la destruction des requins. C'est une question qu'il faudrait poser à un élu. Je sais qu'il y a 2 espèces de requins qui ont été retirées de la liste des espèces protégées. Mais sur le nombre de requins qui se trouvent en Calédonie, ils sont tous protégés, sauf effectivement le requin tigre et le requin bulldog. Mais on ne promeut pas leur destruction, bien évidemment. Non, oui, je me doute que vous ne le promouvez pas. Mais bon, ça me dérange un petit peu quand même, ces trucs d'abattage qui sont faits sans qu'il y ait d'études scientifiques. Enfin, je trouve que ce n'est pas la bonne façon de communiquer sur cette espèce, quoi, au final. Après, je me doute que ce n'est pas vous qui allez tout changer, mais voilà. Oui, là, on parle d'éthique. Mais peut-être que la solution, ce serait de faire des sorties naturalistes pour les élus. Voilà. Ben oui. Là, je crois que notre gouvernement, au niveau État français, a eu, je crois, aujourd'hui ou hier, une formation sur le changement climatique. Ben, ce serait bien, parce que certains, je pense... ne savent pas encore comment fonctionnent les milieux naturels. Et ça peut aider à changer le regard et changer les décisions quand on comprend mieux comment fonctionne l'environnement qu'on a à gérer et à protéger. Alors ça me permet, moi, de rebondir là-dessus aussi, parce que voilà, c'est vrai que c'est pas évident pour Sylvie de prendre la parole par rapport à ça. Mais en même temps, le petit clin d'œil, c'est qu'on a une aire éducative qui est portée par le collège Saint-Joseph de Cluny, dont la thématique est le requin. Donc ça veut dire que sur les aires éducatives, il faut savoir qu'en fin d'année, il y a toujours un grand regroupement où on va présenter les projets, les plans d'action, les jeunes. Et comme vous avez pu voir avec Gibran, quand même, c'est des jeunes très engagés. C'est-à-dire qu'à la fin, au final, ils ne vont pas avoir peur, eux, devant parce que voilà, les élus, certains seront présents à ces rencontres, et vont pouvoir dénoncer des choses avec leurs mots. Et des fois, ça peut, je dis bien des fois, ça peut toucher ou faire évoluer les choses. Je prendrai par exemple sur Platyricodi, pendant 4 ans, c'est pas faute, les jeunes ont dénoncé des actes de braconnage, etc. Ils ont fait des courriers à la province,
fait remonter des choses. Et quelque part, aujourd'hui, on a eu une sensibilisation, en tout cas, voilà, une écoute attentive par rapport à ça, des réflexions par rapport à, par exemple, classer le platyricodie en réserve. C'est des choses qui ont été entendues, qui, il y a encore 4 ans, on n'entendait pas. Donc ça veut dire que là encore, c'est un travail de longue haleine. Et moi, je crois vraiment à la force aussi de ces jeunes qui, voilà, avec leurs convictions, eux, ils n'ont pas à réfléchir, voilà, stratégiquement, politiquement correct, voilà, faire attention. Ils y vont à dénoncer, à dire les choses telles qu'ils le pensent du fond du cœur. Et ça peut faire bouger les choses. Et des fois, des acteurs de territoire vont bouger. Pas sur des sujets aussi sensibles et aussi voilà, importants, mais sur les aires éducatives, par exemple, de Bourail, où pendant 4 ans, on a fait une étude sérieuse avec des chiffres pour montrer l'érosion. On a pu sensibiliser, par exemple, les acteurs de la mairie qui nous ont vraiment donné la main à la pâte pour, quand on a planté, tirer des tuyaux d'eau, permettre l'arrosage. Donc des moyens financiers ont été donnés à ces scolaires. Donc je veux dire, à un moment donné, voilà, les jeunes vont avoir cette force-là de l'engagement sans se poser de questions. Et peut-être, parfois, ça peut faire bouger les lignes. Mais ça prend du temps. Encore une fois, c'est jamais aussi vite qu'on le voudrait. Et c'est toujours très difficile, de toute manière, voilà, d'être ouais. toujours, même nous, dans nos têtes, hein, entre, parce qu'ils nous interpellent. Mais pourquoi on ne fait pas ? Pourquoi on n'agit pas ? Pourquoi on ne fait pas ci ? Pourquoi on ne fait pas ça ? Et c'est toujours très difficile ben voilà, de trouver l'équilibre entre ce que l'on fait passer éducativement, d'un point de vue de données scientifiques ou d'autres, je veux dire, comportements citoyens, et l'acte après, voilà, on va dire, de ce que l'on peut voir dans une vie et comme les choses se passent. Et les jeunes ne comprennent pas toujours les choses. Et c'est difficile, honnêtement, pour nous de faire passer, voilà, de temporiser, de faire comprendre qu'il y a ce temps administratif, qu'il y a des deux poids, deux mesures. Des fois, il y a des choix qui sont politiques qu'on ne maîtrise pas. On n'a pas toutes les notions, on n'a pas toutes les données non plus. On n'a qu'un champ de vision. Et c'est encore une fois, il faut avoir l'honnêteté de ces champs de vision, je dirais, dans les deux sens, pour... être temporisé, et puis, ben, mais toujours être dans l'action et en alerte. Donc c'est très difficile, cette posture qu'on doit avoir. Merci. Et, mais malgré tout, je crois en ces jeunes et en Gibran, qu'on a pu voir tout à l'heure quand même, qui sont engagés et qui vont, voilà, qui vont faire le travail accompagné par nous, mais qui vont quand même faire ça. Merci beaucoup Fabienne. Une dernière question, parce qu'après Hubert, encore un petit point à aborder, et moi j'aurais un exercice à vous proposer pour clôturer la soirée. Dernière question. Bon, bah, j'ai de la chance alors. Oui. Bonsoir, merci d'avoir d'abord organisé ce ciné-débat, c'est toujours super intéressant. J'ai une question plutôt sur le reportage qu'on a vu, puisque je sais qu'il va être diffusé et qu'il risque de toucher du coup un petit peu plus de personnes, notamment sur le platier Ricodi. On a vu que la culture naturaliste, c'était essentiellement, l'objectif c'était de préserver la nature. Et je me demande s'il ne faut pas remettre, en tout cas, les choses, enfin, on va dire, remettre comme chose principale qu'il faut d'abord observer avant de toucher. Je sais que c'est très difficile, puisque là, on transmet notamment le CIE à des enfants, on fait des sorties, on touche, on cherche peut-être à sensibiliser les gens. On l'a vu, il y a un côté ludique qui peut aussi s'installer dans ce genre de sortie. Est-ce qu'on ne doit pas rappeler tout d'abord qu'en dehors du spécialiste, il faut ne pas toucher, ne pas sortir de l'eau ? Parce qu'on voit que l'humain a tendance à vouloir garder la main sur la nature. Et est-ce que ça ne doit pas être précisé ? Parce que je pense que dans quelques années, ça pourrait aussi être une certaine déviance de ce genre d'activité. De toute manière, une des premières règles d'or quand on fait une sortie... notamment en milieu marin, qui est un milieu sensible où il y a du danger malgré tout, c'est bien, on ne touche pas, on observe. Et après, comme elle est partie, Maëva, c'est dommage, mais voilà, on va avoir aussi des façons de prélever. On ne fait pas les choses n'importe comment, donc on a toujours des phases qui prennent du temps de consigne d'un point de vue de la sécurité, pour nous, mais aussi pour les animaux. Et c'est vrai que, comme disait Philippe, les jeunes, ils sont toujours dans un enthousiasme. Et c'est ça, c'est difficile aussi.
parce qu'il faut maîtriser cet enthousiasme, cette énergie débordante qu'il y a, parce que le danger, effectivement, ce serait que découvrir la nature entraîne un impact sur l'environnement. Donc c'est vrai qu'on fait, alors je dis la guerre, c'est pas le mot, mais en tout cas, on est toujours à surveiller le comportement, la marche, la façon dont on marche, où on marche. Et Gibran peut en témoigner, on passe au moins plus d'une grosse demi-heure à rappeler voilà, ce comportement de celui qui va aller à la rencontre de cette nature. Et on est comme des invités, et donc on doit respecter le milieu, on a des façons de procéder, de marcher, d'observer. Et on ne touche pas ce qu'on ne connaît pas. Et c'est vraiment le spécialiste qui va permettre la découverte voilà, en toute sécurité pour l'animal ou la plante, d'ailleurs même la plante, il faut faire attention à ne pas la blesser, de façon à ce que tout se passe bien. Mais il faut effectivement être très vigilant là-dessus. Je voudrais juste rajouter un petit mot. L'essentiel, quand on fait des sorties découvertes, c'est quand même susciter la curiosité. Si les gens n'ont pas l'intérêt, ils viennent juste parce que c'est une sortie, pourquoi pas. Mais il faut déjà qu'au départ, ils aient un peu de réceptivité en étant curieux sur le thème de la sortie. Après, derrière, on ne reste pas forcément 100% sur le thème initial. Moi, je vois quand on fait des sorties champignons, si j'entends un oiseau ou que je vois un oiseau sympa, je vais dire, ben, voilà, il y a un autou, il y a un lève-queue. Enfin bon, c'est aussi, me semble, on l'a déjà tous remarqué, c'est aussi de reconnecter les gens à leur environnement. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est quand je vois des gens qui font une balade, que ce soit dans le sud ou autre, ils ont dit oh, bah, je suis content, là, j'ai mis une heure. Mais qu'est-ce qu'il a vu ? Honnêtement, il y a quelques-uns peut-être qui étaient avec nous quand on a fait une sortie au parc provincial des Grandes Fougères. Il y a 6-7 ans, en 2h30, on a marché 200 mètres. Bon, c'était un exploit, il y avait beaucoup de champignons. Mais le truc, c'est de reconnecter les gens et de leur faire découvrir autre chose que ce qu'eux ne croient pas, enfin, ne connaissent pas ou ne voient pas. Là, je vois, j'ai Mathias en face de moi. Faites une sortie une fois pour découvrir un peu ce que c'est que les lézards et les geckos. Ben, vous allez être un peu surpris. Hein. Il y a Christian et Lydvine Laudreau qui étaient là tout à l'heure, là, qui sont les spécialistes des orchidées. Je vous jure que vous faites une sortie avec eux, vous ne voulez plus rentrer en forêt. Parce que tout ce que vous croyez être vert et que c'est de l'herbe, vous allez une fois sur deux, ça sera une orchidée. Donc c'est la culture naturaliste, c'est aussi pour nous d'essayer de vous refaire découvrir ou découvrir tout court l'environnement dans lequel on évolue. On a une chance extraordinaire en Nouvelle-Calédonie, il faut savoir l'apprécier. Merci beaucoup. Alors... Oui, Sylvie. Je voulais juste rebondir sur la question de la dame, là, sur le fait de toucher ou pas la nature et l'impact. Moi, je voulais rappeler que d'après le Code de l'environnement, quand on entre dans une aire protégée, qu'elle soit marine ou terrestre, il est interdit de toucher ou de prélever quoi que ce soit. C'est sanctionné par le Code de l'environnement. Et on a vu d'ailleurs, non, je tiens à le préciser, on a vu dans la vidéo le fait de ramasser les champignons, etc. Donc je précise que la société mycologique a des autorisations données par la province sud pour récolter des espèces, et c'est pour ça qu'on voit... Oui, on le précise au début du reportage, voilà, effectivement, oui, on avait bien le papier avec nous. On écrit au Père Noël tous les ans pour avoir un arrêté. Denis ? Oui, juste rapproche le micro. Rajouter, oui. Oui, parce que vous parlez d'observation, mais les anciens, ils n'avaient pas de la technologie qu'on a ou tout ça. La première science qu'ils ont fait, ben, c'est par rapport à l'observation qu'ils ont fait sur la nature. C'est pour ça qu'ils ont pu faire au niveau de l'agriculture et la chasse, tout ça, c'est par rapport à l'observation. Bien observer la nature pour bien comprendre. Après, tu pourras faire du bon travail ou voilà, la chasse et la pêche, tout ça, c'est par rapport à l'observation. C'est pour ça qu'ils ont fait. Ils ont aussi fait un calendrier par rapport à ce qu'ils ont observé. Quoi. Donc, quand on va en forêt, il faut d'abord. On écoute d'abord, après on observe, après on touche.
si c'est possible. Voilà. Alors ce calendrier dont tu parles, justement, Denis, hein, et Hubert l'aborde dans l'émission, donc la floraison du Gaillac, par exemple, qui prévient que c'est le moment d'aller pêcher le mulet en bas de la rivière, ou encore l'arrivée des baleines, qui prévient que c'est le moment de planter l'igname. Alors, dans certains pays, on est allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on a publié un calendrier. C'est le cas donc des aborigènes, nos voisins, qui ont publié un calendrier qu'on va vous montrer tout de suite et dont je vais vous laisser parler, Denis et Hubert. C'est absolument incroyable. Hein, c'est... Ça, c'est le calendrier des aborigènes sur une petite île à côté de Darwin. C'est Tiwi Island. Hein. C'est le calendrier qui est... Voilà. Ont pu faire, mais là ça rejoint un peu ce que je vous ai dit à l'instant. C'est un calendrier cyclique. Voilà, c'est par rapport à ce que eux ils vivent aussi et ils observent chez eux. Oui, bien. Mais tout à fait, Denis. Mais, par exemple, on s'est retrouvés dans l'après-midi et on discutait parce que chaque territoire aborigène a un calendrier différent. Et on était avec un copain aborigène qui était venu travailler sur les feux en Calédonie et il nous a accueillis sur son île Tiwi Island. Et tout à l'heure, on le reprenait avec Denis. Et Denis, tu as découvert, en tout cas dans la lecture de celui-là, il y a quelque chose qui t'a marqué. Oui, c'est le... Comment on appelle ça, celui-là ? Oui, la tourterelle verte qui est juste au-dessus, là-haut. Ouais. Achaparanumwa, en Païti. Achaparanumwa, ça veut dire... celui qui fait le four des bulbes de pommes de terre canac. Je ne sais pas si vous voyez ces bulbes que vous voyez, des fois dans les lianes. On dirait des fouilles, mais ce n'est pas des fouilles, mais c'est des bulbes. Voilà. C'est le nom de cet oiseau-là. Ça veut dire que c'est lui qui fait le four de ça. Maintenant, sur le calendrier qui est là, et ça, au moment où il chante près des habitations, c'est ça, Hubert? Au moment où ils chantent auprès des habitations, ça veut dire que c'est le moment de récolter l'igname, hein, l'igname sauvage. Voilà, ça rejoint un peu notre façon de voir. Quoi. C'est la bulbe qui est naturellement ici chez nous. Là. C'est comme si c'est une igname, quoi. C'est la même famille que les ignames. Et le nom de l'oiseau, c'est celui qui fait le four de cette bulbe qui est là. Ça rejoint un peu le... leur calendrier qui est là pour dire que quand ils chantent tout près des habitations, ça veut dire que c'est le moment de récolter cette igname sauvage que vous voyez juste en dessous là. Je sais pas si on n'a pas de pointeur. Vous apercevez là, à côté de la frégate, ce tubercule et puis le. Vous voyez la tourterelle verte qui est au-dessus là, voilà. Bon, on le publiera sur notre page Facebook. Si on peut, voilà, les personnes qui sont intéressées pour le regarder plus en détail, eh bien, vous y aurez accès. Voilà. Et je suis aussi en train de travailler sur un calendrier kanak, mais plus basé sur celui de ma tribu, parce que c'est un peu pareil que chez les aborigènes, chaque région a sa façon de faire, quoi. On n'a pas tous les mêmes... façon de faire, on n'a pas tous les mêmes lectures paysagères des plantes. Et voilà, ce que je suis en train de travailler dessus, c'est spécifique à la tribu de Guapa. Mais le jour où je terminerai ce travail-là, ben voilà, je reviendrai peut-être, oui, voilà. Voilà un peu pour le calendrier. Et pour mon calendrier, il est très complet. Hein. C'est toutes les saisons, il est représenté sur le... Donc, chaque saison est représenté sur ce calendrier. C'est exactement pareil que celui-là là, qu'on vous montre aujourd'hui. Là. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Et ben voilà, Vincent, le verre continue de se remplir. Alors, avant de laisser la parole à Hubert pour conclure cette soirée, moi, je voudrais vous proposer un petit exercice. Alors, ça s'appelle un exercice de la curiosité.
que j'ai trouvé sur la page du site internet Programme Coyote des apprentis de la forêt, qui est une association québécoise et qui propose donc à son public, que ce soit des enfants, des adultes, bref, tout public, de faire cet exercice. Donc vous pourrez le faire aussi avec vos amis, vos enfants, vos parents, vos collègues de travail, etc. C'est vraiment très intéressant. Alors, vous prenez simplement quelques minutes et vous vous arrêtez devant un être vivant. Un arbre, un oiseau, une fleur, un champignon ou même un simple brin d'herbe. D'accord ? Cherchez 25 questions à vous poser à son sujet. Alors, ça vous paraît énorme, hein, 25 questions, mais vous allez voir, une question va en amener une autre, etc. Vous allez très vite trouver les 25 questions. Ne cherchez pas les réponses, c'est pas ça l'essentiel. C'est les questions que vous allez vous poser au sujet de cet être vivant. Et le fait même de chercher ces questions, ça va enrichir votre rapport à cet être. Vous allez subitement vous y intéresser parce qu'à vos yeux, il va gagner en existence. Vous savez, c'est comme quand on rencontre quelqu'un. Bon, si on croise quelqu'un dans la rue, on ne s'y intéresse pas. Mais si on s'arrête devant cette personne pour lui demander l'heure et qu'on commence à échanger, à discuter, subitement, elle se met à exister et à devenir intéressante à nos yeux. Ben, il en va de même avec tous les êtres vivants. Donc faites l'expérience, moi je l'ai fait hier, avec une simple plante, un petit palmier, et ben, ça marche, c'est incroyable. Une question en amène une autre et on en a beaucoup plus que 25. Donc peut-être que si on apprenait à chaque être, et pas uniquement aux enfants, hein, puisqu'on a tous besoin de développer ce lien au vivant, ben, peut-être que si on faisait tous cet exercice, ça changerait complètement le lien qu'on peut avoir au monde qui nous entoure. Hubert, je te laisse conclure. Ça aurait été une très belle conclusion. Mais, moi, j'ai encore une question pour vous. Est-ce que vous connaissez le SNEC ? Eh bien non, il y en a. C'est facile, le piège. Hein. Ben, ça n'existe pas. Le SNEC, c'est ce que j'aimerais voir en Nouvelle-Calédonie. Ce serait le cercle naturaliste des étudiants calédoniens. Moi, je suis breton, je viens de Rennes, et à Rennes, j'étais membre du CNER, le cercle naturaliste des étudiants rennais. Et ça a été des années extraordinaires, pas qu'à faire la fête. On allait avant en forêt, sur le littoral, et on allait observer la nuit, la reproduction des crapauds, des salamandres, des tritons, etc. Les migrations d'oies du nord de l'Europe en hiver dans la baie du Mont-Saint-Michel, etc. Et il y a peut-être quelques étudiants dans la salle, et moi je vous enjoins, je vous invite à créer un cercle naturaliste des étudiants calédoniens, parce que c'est un vrai vivier. Moi, quand je reprends les listes des étudiants qui étaient dans ce SNER, aujourd'hui, j'en retrouve plein dans le monde de la conservation, à l'étranger, dans l'outre-mer français, en métropole. Donc, plein de personnes où ça a été vraiment un tremplin pour s'engager dans sa vie professionnelle sur ces questions de conservation. Donc, voilà. Finir, en tout cas, la dernière petite chose, c'est, moi je vous invite aussi, à si vous avez des jumelles ou si vous pouvez en dérober à côté de chez vous, à vos voisins, ou, eh bien, ce week-end, mettez vos yeux dans des jumelles. Parce que le miracle qui se produit quand on met les yeux dans ces jumelles, eh bien, c'est que un oiseau qui n'était qu'un élément de décor devient une rencontre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, juste avec un objet comme celui-là. Voilà. Et alors, il y a peut-être une... Désolé. Désolé, du coup, je te vole le final. Ça ne va pas être aussi beau que le tien. Mais du coup, je voulais faire un clin d'œil à l'université par rapport à ce que tu viens de dire et par rapport à la question de monsieur tout à l'heure. Moi, je travaille pour une association ici, qui fait de l'environnement, et on a du mal à recruter des Calédoniens. Et en fait, je ne crois pas qu'à l'université, il y ait de formation en écologie. Et pourtant, on sait bien que la biodiversité calédonienne, elle est unique et elle est en grande partie endémique. Donc il y a un vrai manque, je pense, de formation en local à ce niveau-là, que ça soit je sais qu'il y a une formation environnement, mais bon, c'est pas la même chose qu'une formation en écologie.
Donc voilà, je voulais juste faire cette remarque. On peut préciser, l'association, c'est Noé Conservation, c'est ça ? Noé, ça s'appelle. Il n'y a plus le Conservation. Ah, Noé tout court, d'accord. Et donc, vous recherchez des Calédoniens, vous recrutez Là, on recrute, par exemple, en février, et on n'a pas beaucoup, voire pas du tout, de candidature de Calédoniens. Écoutez, on fait passer le message. Donc, vous aurez peut-être quelques retours. Oui, d'ailleurs, il y a une personne qui va faire une petite réponse. Juste rapidement, au niveau des formations, on en a en Calédonie. Hein, j'ai fait la licence de biologie ici. On est plusieurs, d'ailleurs, à l'avoir fait. On a une partie écologie. C'est sûr qu'on est axé, moi, principalement sur le marin, beaucoup sur la forêt aussi. Et après, on a aussi un master en environnement. Donc on est assez sensibilisés. Après, le problème, c'est que beaucoup décident de partir pour les études, et c'est normal en tant que Calédonien d'aller voir ailleurs, d'être sensibilisé à d'autres cultures, à d'autres environnements. Et après aussi, il faut pousser les jeunes à revenir, il faut avoir des emplois qui donnent envie, qui sont bien rémunérés, parce qu'en Calédonie, avec un master, quand tu veux un bon emploi, c'est pas tout le temps facile. Donc c'est aussi leur donner ces opportunités-là. Donc pour Noé, c'est bien, j'ai vu que c'était au niveau forêt que vous recherchez. Donc à mon avis, ça devrait venir dans les mois qui arrivent, hein, parce qu'on est beaucoup à chercher un travail de ce niveau-là en Calédonie. Donc voilà. Je sais pas si tu veux... Non, c'est bon. Eh bien voilà, il suffit d'en parler. Donc écoutez, on arrive donc au terme de ce rendez-vous. Je vous rappelle trois dates. La première, diffusion de ce ciné-débat le samedi 10 septembre, 10h, 14h sur Calédonia, puis en replay. Bien sûr, la prochaine conférence Sénature, mardi 6 septembre à 18h à l'auditorium de la province sud sur le thème des serpents marins. Quant à nous, on se retrouve le jeudi 29 septembre à 18h sur le thème du tourisme durable. À la veille des vacances scolaires, ça sera intéressant. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous.